Bonjour tout le monde. Bienvenue au colloque Médias sonores au-delà des frontières, Sound Media Beyond Borders. Donc, associé au concert La Grande Nuit, dont la thématique était au-delà des frontières et dans le cadre de la série La Grande Écoute, nous avons donc un colloque Médias sonores au-delà des frontières qui consiste à réfléchir, étudier comment le média sonore et la musique peuvent nous aider à comprendre et appréhender les nouvelles frontières perceptuelles, temporelle, géographique, climatique et autres. Je fais une présentation rapide de nos conférenciers. Louis-Claude Paquin, professeur-chercheur, intéressé par l'épistémologie, méthodologie de la recherche-création, les processus de recherche-création. Il est de l'école des médias de l'UQAM et Hexagram. Moi-même, Simon Pierrego, compositeur, artiste-chercheur en création sonore, école des médias, UQAM et Hexagram. Ricardo Alfara, compositeur, Université Concordia et Hexagram, ainsi que chercheur. Il nous présentera spécialement son projet Balance Unbalance. Philippe Aubert-Gauthier, artiste et compositeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, affilié à Hexagram ainsi qu'au Kermit de l'Université McGill. Docteur Rodrigo Sigal, I will say it in English. Composer, cultural manager, and professor at Escuela Nacional de Estudios Superiores in Morelia, and also director of the CEMAS, Centro Mexicano para la Música y los Artes Sonoras, in Morelia también. Sofiane Audry, artiste-chercheur, professeur en médias interactifs à l'École des médias de l'UQAM, affiliée à Hexagram aussi, et Alexandre Saint-Onge, artiste interdisciplinaire et performeur sonore, professeur adjoint à l'École d'art de l'Université Laval, affilié à Hexagram. Et pour terminer, Sandeep Bhagwati, compositeur, directeur de théâtre et artiste médiatique, professeur à l'Université Concordia, affilié à Hexagram. Il y aura à la fin une discussion avec Sandeep Bhagwati comme modérateur pour revenir sur le très riche, je pourrais appeler ça un héritage. Les commentaires donc des compositeurs qui ont bien voulu répondre à la question sur la partition technologique au-delà de la notation. Donc, sans plus tarder, j'invite mon collègue Louis-Claude Paquin à nous faire sa présentation sur le dispositif média de création. Merci Louis-Claude. Bien, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Simon-Pierre. C'est vraiment apprécié. J'ai eu l'occasion d'écouter en différé le concert et puis je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont participé. J'ai eu beaucoup de plaisir, d'émotion à écouter tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du dispositif média de création. Ça s'inscrit dans le cadre d'une réflexion que j'ai amorcée l'année dernière, qui était une différenciation entre la recherche-création artistique et une recherche-création qu'on pourrait qualifier de en média. Donc, au début, c'était un concept, une idée que je voulais développer. Et puis, la première étape dans cette recherche consiste à identifier qu'est-ce qu'un média? La question fondamentale, qu'est-ce qu'un média? Et puis, éventuellement, donner des mots pour pouvoir décrire cette idée de média. Et puis, éventuellement, comme je suis enseignant, qu'on puisse le problématiser et faire des thèses, des mémoires, recherche-création en média. Donc, voilà, vous avez eu le temps de regarder un peu. L'idée ici de média, c'est un peu emprunté du mouvement de l'écologie des médias dans un premier temps. C'est-à-dire que le média n'est pas simplement l'appareil, mais c'est l'écologie complète où se situent les personnes, les entités matérielles et puis les processus. Donc, effectivement, le concept de média a connu toutes sortes d'exceptions. Et puis, on voit ici que finalement, pour Hello et Luoto, c'est plutôt le regard sur la chose qui fait qu'on peut être considéré comme un média. Aussi, un autre théoricien des médias nous parle de
arrêter de travailler de façon disjointe des objets matériels, des objets symboliques, et puis de considérer le tout dans un même espace. Donc, c'est ce que je me suis donné pour mission. Donc, pourquoi j'ai pris le concept de dispositif? Parce que pour moi, ça me paraissait le concept ou le terme qui me permettait d'englober l'ensemble des éléments. Ici, on parle de dimension organisatrice, dimension de modélisation. Aussi, le concept de dispositif a connu quand même une grande fortune, c'est-à-dire que Agamben et avant lui Foucault l'ont utilisé et ils l'ont utilisé de façon, je dirais, analogique ou métaphorique en incluant dans le dispositif des éléments sociaux, des éléments politiques et d'autres éléments. Moi, je vais plutôt revenir, vous faire une proposition de revenir au concept de dispositif comme outil méthodologique pour comprendre la complexité. Voilà, si on regarde dans le dictionnaire la définition du dispositif, ça nous dit que c'est un ensemble d'éléments qui sont agencés en vue d'un but précis. Ça a été mon point de départ pour mobiliser ce concept-là. Donc, la question que je me suis posée, c'est quel agencement, de quel agencement s'agit-il et de quel élément s'agit-il pour énacter un média? Donc, la proposition que je vous fais, c'est qu'un dispositif média est un agencement d'éléments qui comporte des personnes, des entités matérielles et des processus. Okay? Donc, trois types d'entités qui ont pour but, dans ce cas-ci, soit de supporter une communication, soit de la véhiculer, tout dépendant si on est du paradigme de la communication instrumentale ou de la communication constitutive. Je vous parlerai de ça une autre fois si jamais la chose vous excite. L'idée ici, c'est de produire une médiation et pas n'importe quelle médiation entre des personnes qui s'expriment et des personnes qui écoutent, ou encore entre des personnes qui font de la création et celles qui constituent le public. Ça va jusqu'ici? Donc, je vais reprendre maintenant chacun des termes. Donc, l'agencement en premier, les personnes, les entités matérielles et les processus. Et je vais terminer avec quelques éléments de méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'un agencement? Vous m'avez sans doute vu venir, ceux qui me connaissez. Donc, je suis retourné dans mon post-structuralisme et puis dans le travail de Deleuze et Guattari en particulier, qui a été aussi repris par Delanda. Donc, voilà. Donc, Deleuze et Guattari, dans leur prose tout à fait extraordinaire, nous disent que dans un livre, comme dans toute chose, il y a des lignes d'articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités, mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification. Et tout cela constitue un agencement. Voilà. Un agencement, je lis plus tard, que c'est une multiplicité avec des flux sémiotiques, des flux matériels et des flux sociaux. Donc, dans le fond, je suis pas loin de retrouver mes éléments de dispositif. Donc, quelles sont les particularités de l'agencement? Delanda, repris par Philae, nous dit que tout agencement est à la fois composé de plus petits agencements et composante d'un plus grand agencement. Donc, on pourrait dire qu'il y a un principe de compositionnalité. Il y a aussi le principe issu de la complexité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on augmente l'échelle, chaque agencement a des propriétés émergentes qui apparaissent. Les agencements ne sont pas des ensembles homogènes. Donc, déjà, j'ai trois types d'éléments. Et surtout, les agencements sont toujours en train de devenir. Donc, on retrouve là encore cette pensée deleuzienne. Dans les années 2010, on entend parler que d'agencement, et je cite, le concept avoir gagné en résonance en raison du tournant matériel. En fait, c'est l'idée du nouveau matérialisme qui, comme approche, considère sur un même plan les personnes et puis les entités matérielles.
Donc, l'idée, c'est de prendre des éléments hétérogènes, des articuler entre eux et de les inclure dans une même analyse. Et non pas avoir les auteurs d'un côté, les matériaux, les appareils, etc., et puis les processus. Donc, l'idée, c'est de les considérer ensemble. Donc, le dispositif média, un agencement avec les propriétés qu'on a vues tantôt, de personnes, d'entités matérielles et de processus. Quelles sont ces personnes, la personne auteur ou les personnes auteurs, les personnes qui collaborent, soit par le jeu, soit par la technique, les personnes que je qualifierais d'intermédiaires, qui voient la production, le financement ou qui fournissent la consultation, et les personnes, il ne faut pas oublier, du public. Donc, voilà pour les personnes. Quels sont les aspects pertinents pour le dispositif média? Je vous en propose quelques-uns à ajouter. Le savoir composé, l'expertise même du média, le savoir-faire, la corporéité, et on pourrait ajouter l'intercorporéité, les aspects culturels et l'engagement de la personne dans soit le spectacle ou soit dans sa composition ou comme auteur, etc. Donc, dimension très importante. Les entités matérielles maintenant, quelles sont-elles? Il y a des matériaux bruts ou transformés, des objets façonnés, des outils, des instruments, des mécanismes et finalement des machineries. Qu'est-ce que je mets dans les machineries? Dans les machineries, c'est qu'on a une internalisation du processus à l'intérieur de la machine elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on parle de machine automatique. Maintenant, si on resserre des entités matérielles autour des médias, on a des entités, bon, vous pouvez les lire, microphone, enregistreur, caméra, etc., etc., etc. Mais surtout, mais aussi et surtout, la portion du monde qui est captée, ce qu'on pourrait appeler l'arrière-plan, donc qui fait partie aussi des entités matérielles du dispositif de médias de création. Les processus ont un statut particulier parce qu'ils sont à la fois immatériels et ils ont quand même une matérialité, puisque un processus doit finalement être inscrit sur un support à l'aide d'un code, soit pour être transmis à la machine ou transmis d'une personne à l'autre. Il y a toutes sortes de finalités des processus. On peut contrôler, diagnostiquer et surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, créer. Donc, la finalité du dispositif à ce moment-là repose sur une intuition, un désir de. J'ai mis ici quelques exemples de processus, des processus qu'on pourrait qualifier de analogiques, anciens, archaïques ou ce que vous voulez, c'est-à-dire des recettes, des protocoles, des procéduriers qui peuvent être inscrits, qui peuvent être répertoriés dans des livres et que l'on retrouve maintenant sur Google. Les processus peuvent être aussi inscrits sous forme de programme avec la propriété de la superposition des couches de langage. Les automates à état fini, les algorithmes déterministes et l'apprentissage machine. Donc, le dispositif média, on l'aura compris, n'existe pas. C'est une vue d'esprit qui a pour but de pouvoir penser sa pratique médiatique et d'inscrire cette pensée dans une cartographie et un texte écrit. La méthode en quatre étapes. Un, développer une sémiotique. Deux, identifier, nommer et décrire les entités. Trois, cartographier les connexions qui relient ces entités. Et quatre, reconstituer le réseau par l'écriture. Donc, développer une sémiotique. L'idée, c'est d'utiliser des pictogrammes. Pourquoi? Pour que, quand on va faire une cartographie, on puisse retrouver nos éléments. Donc, il y a deux étapes. Un, constituer un tableau et deux, faire une cartographie, un tableau des entités et une cartographie de ces entités, donc qui viennent marquer les relations qu'elles ont entre elles. Donc, identifier des entités.
C'est toujours un découpage arbitraire dans la continuité du monde. Les entités sont ce que l'on considère importantes dans notre dispositif média, et puis elles vont être considérées distinctes, même si elles sont reliées, parce qu'elles sont de nature différente. Donc, je sais pas, je prenais l'exemple de la caméra. Donc, j'ai une entité matérielle qui est la caméra, mais si, parce que dans mon processus de création, la captation est importante, ben à ce moment-là, je vais considérer l'optique comme étant un instrument, une autre entité matérielle qui va être en relation avec la boîte de captation qui est la chambre noire de la caméra. Donc, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est la granularité. Jusqu'à quel niveau on va faire la décomposition? La réponse est la suivante, jusqu'à temps qu'on a le besoin. Et dans d'autres cas, si on n'a pas le besoin, parce que dans notre dispositif média, il y a des éléments qui sont que l'on prend pour eux-mêmes et puis qui n'ont pas d'enjeu, on pourra à ce moment-là les qualifier de boîtes noires, c'est-à-dire simplement les représenter et puis ne pas faire une décomposition plus fine pour les comprendre. Donc, une fois les entités, identifiées, il faut les nommer. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait de nommer parce que nommer fait exister les choses. On nomme pour nous et quand on nomme, on exprime aussi notre point de vue sur les choses. Donc, quelques cas de figure. L'entité a déjà un nom, on l'utilise. L'entité a plusieurs noms, on en choisit un en lien avec notre processus de création et en lien avec les médias. Ou encore, si l'entité est composite, on va prendre le terme le plus générique. Et le dernier cas, c'est qu'on va faire l'effort de forger un mot en langue française ou en anglais, même si c'est un calque. La description des entités maintenant, c'est un peu à la façon de la théorisation ancrée. L'idée, c'est d'identifier et de consigner les traits saillants, les caractéristiques de cette entité, expliciter les motivations de notre sélection, de la délimitation qu'on en fait ou de la construction qu'on en fait, et d'éviter la réduction de la singularité et de la contingence de notre expérience. Donc, l'idée, c'est de rester le plus proche des éléments, puisque c'est là que les enjeux se passent. Donc, plus on est dans l'abstraction, moins on peut parler de la singularité des choses. Donc, j'ai donné ici un exemple tiré de la recherche-création de Cynthia Nourry. Elle travaille avec l'entrevue de rue. Donc, c'est fait très, 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 très schématiquement. Donc, quelles seraient les entités ici? Ben, on a la personne qui est l'intervieweur. Et puis, ben, voici les traits saillants qu'on peut mettre dans la description. Le microphone, le choix des lieux, qui est un processus, le protocole, qui est un processus, la mise en onde, qui est aussi un processus, et puis la rue sur laquelle se passent les entrevues. Dans lesquelles se passent les entrevues, donc la portion du monde et qui comporte, bon, comme on voit, ses propres caractéristiques qui sont aussi importantes dans le dispositif média de création de cet exemple-là. Donc, une fois qu'on a fait notre tableau, l'idée, c'est de cartographier les connexions que l'on décèle entre les entités. Donc, la première étape, et puis là, je me fie sur Bruno Latour, et tantôt, je vais amener le ANT, la théorie acteur réseau, de laquelle je m'inspire. Donc, la première étape consiste à détecter les connecteurs qui rendent possible le transport de la gentilité. Donc, l'idée, c'est que entre les entités matérielles, les personnes, ben, il y a un point de contact qui serait l'interface. Et par lequel passe la gentilité, donc le pouvoir d'agir de la personne sur l'entité matérielle et en retour, le pouvoir d'agir de l'entité matérielle sur la personne qui la manipule. Donc, l'idée, c'est le transport de la gentilité. Donc, quelle est la nature de cette gentilité et le questionnement ontologique? Qu'est-ce qui se trouve entre ces connexions? Et quelle est l'étendue de notre ignorance concernant
une entité ou une autre. Donc, le réseau de relations, je me suis inspiré de la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour. Et l'idée, c'est que dans un cadre de référence instable et changeant, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer des liens. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on va identifier certains liens comme plus importants que d'autres? C'est le nombre stratégique de connexions et l'importance de l'agentivité qui est transférée. L'écriture d'un réseau de relations, ça passe par le récit. Et puis, nous dit Bruno Latour, au lieu de faire simplement une description, chacun des points de notre texte peut devenir une bifurcation, un événement ou l'origine d'une nouvelle traduction. Ici, j'ai fait faire pour la première fois aux étudiants, en fait, j'ai fait subir aux étudiants de maîtrise que j'ai cette année cette technique-là. Et puis, je vous montre quelques-uns des résultats qui ont été obtenus. Donc, ici, on a un tableau et puis la mise en relation du tableau pour constituer le dispositif. Donc, en conclusion, le dispositif média de création est un outil qui nous permet de réfléchir, donc de mettre à plat, je dirais, de déplier notre média dans toutes ses composantes pour éventuellement en sélectionner certaines portions qui, elles, vont être l'objet d'un questionnement et l'objet d'une innovation ou d'une imagination autrement. Voilà. Donc, c'était cette idée de dispositif média que je vous propose. Donc, c'est un générique, très grand générique. L'idée, c'est de voir comment on peut l'appliquer pour des installations interactives, comment on peut l'impliquer pour des dispositifs sonores, pour toutes sortes d'autres aspects. Donc, c'est une proposition que je fais et que je rends disponible aux personnes. Si jamais vous avez de l'intérêt pour la chose, je pense qu'on vous a fourni le lien, et puis vous pouvez toujours entrer en contact avec moi, et puis on pourra rediscuter du dispositif, en fait, de votre dispositif média. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Louis-Claude. Très intéressant. Et donc, on va passer à la prochaine personne, un certain Simon-Pierre Gour, donc moi-même. Et on a commencé à travailler en collaboration, Louis-Claude et moi, parce qu'en discutant sur sa thématique d'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait un lien très fort avec la notion finalement de partition, la notion de dispositif, du moins comment je le vis, comment je le perçois et comment ça s'articule dans mon propre travail. Donc, le temps d'ouvrir mon PowerPoint. Alors, donc, juste pour mentionner que cette conférence aujourd'hui est produite par le GRMS en collaboration, partenariat avec SMCQ, Société de musique contemporaine du Québec, Matralab, dont le directeur Sandy Bagouati est avec nous aujourd'hui, et Hexagram. Donc, moi, je me suis intéressé particulièrement à cette notion de dispositif média de création, mais vraiment à mi-chemin, ou plutôt qui réunit la question des frontières et la question de la partition, en parenthèse S, parce que les partitions sont multiples ou les structures à l'intérieur des partitions sont multiples ici. J'ai une posture où je considère, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, les dispositifs sont toujours des dispositifs enchâssés dans d'autres dispositifs et il n'y a pas de réelle différence entre le dispositif qui pourrait être technologique ou de diffusion et le dispositif intérieur qui est en lien
avec ces dispositifs matériels. Donc, en cela, je suis ce que Louis-Claude nous apportait tantôt. Et c'est la même chose pour la partition, parce que finalement, ces dispositifs matériels et intellectuels deviennent la partition qui nous guide. Donc, la partition comme parcours intérieur, faisant partie des agencements de processus, des projections intuitives, des liens technologiques avec les dispositifs techniques. Donc, voici, à partir de la pratique, un dispositif qui est à la fois une partition, deux individus et un dispositif masque sonore artisanal. On voit ici une autre photo. On voit comment ce dispositif s'inscrit sur la performeuse. Donc, à ce moment-là, il y a aussi le dispositif et la partition dans toute sa corporéité. Et finalement, le dispositif technique lui-même, qui, de par sa nature miroir, nous renvoie à nous-mêmes et à l'environnement. Donc, plus on s'approche, plus on se voit soi-même. Et voici l'artiste, un genre d'autoportrait face au dispositif et à la performeuse. Une autre partition ou un autre dispositif partition, l'idée d'un dôme de diffusion. Au début, ces dispositifs de diffusion multicanaux, ou ici dôme hémisphérique, on a tendance à, je dirais, de la tradition multicanale, à voir comme, ah, voici, nous avons plus de haut-parleurs. On va être entouré et donc ça va être immersif. Et finalement, très rapidement, on s'aperçoit que autant au niveau de la conceptualisation que de l'expérimentation, de la composition, de l'expérience de composition, quand on commence à faire des retours récursifs entre ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qu'on veut faire et l'expérience des auditeurs, on s'aperçoit qu'on a vraiment ici un dispositif intérieur. On a une partition de structuration, de composition, une partition d'écoute aussi. Donc, ce dispositif peut se présenter dans différentes façons et il est relayé par un dispositif virtuel où les éléments sont présentés sous une autre forme de partition finalement que le dispositif physique existant avec ses haut-parleurs. Donc, ça nous amène à un autre aspect dans toute cette série d'agencements dont parlait Louis-Claude. Et c'est une des choses pour lesquelles travaille le créateur, le compositeur, c'est quelle est l'expérience. On voit ici une expérience contemplative. Donc, il y a cette idée du groupe aussi qui partage cette expérience-là. Ça peut être aussi une expérience sociale, c'est-à-dire on se regroupe, le dispositif. Et tout ce qui a amené à la présentation nous amène à partager des éléments. Et ici, n'ayez crainte, vous n'êtes pas tombé tout d'un coup par magie dans un de mes cours, mais aussi le dispositif peut se retrouver en ligne et se traduire donc d'une autre façon visuelle. Donc ici, le dispositif conceptuel, inspiré de la systémique, mais Louis-Claude a mentionné la modélisation. En voici donc un exemple. Et à la fin, je vais revenir ici. J'ai gardé sciemment seulement les chemins comme une partition et les liens relationnels. Donc, support, procède par, perçoit le monde par, détermine, médialité, se concrétise par, etc. Donc, tous des mots-clés qui sont autant de petits nœuds conceptuels et de dispositifs qui peuvent s'agencer à d'autres dispositifs. Et donc, je vous montrerai l'image complète un peu plus tard. Donc, bien sûr, le dispositif peut être organisé de façon hiérarchique, selon une démarche, selon le thème de notre création. Et ici, je vais vous montrer une démarche en plusieurs étapes. Donc, on a ici une première projection de modélisation, qui est un type de dispositif où on intègre tranquillement l'idée de récursivité, les retours, les prototypes, l'intégration. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une certaine complexité qui s'ajoute
où on y intègre les intentions. On y intègre aussi l'idée de réjection, réinjection continue entre les intentions, les hypothèses et l'expression. Par hypothèse, j'entends plus des hypothèses artistiques, donc des visions, des projections de ce que pourrait être l'œuvre, qu'une hypothèse bien cartésienne ou scientifique, on s'entend. Et encore ici, donc un autre type de partition ou de dispositif partition dont je garde le secret jusqu'à tout à l'heure, où je vais vous révéler qu'est-ce qui est en lien avec tous ces chemins de différentes couleurs. Donc, moi, j'ai voulu vraiment m'attarder à l'approche schizoanalytique et la production de subjectivité, qui est vraiment un dispositif à part et qui m'a touché. Louis-Claude en a parlé aussi. Donc, Guattari est bien connu pour sa collaboration avec Deleuze, Émile Platon, entre autres. Il posait la question de la subjectivité, comment la produire, la capter, l'enrichir, la réinventer en permanence. Et il s'agit vraiment, pour nous, créateurs sonores, il s'agit vraiment de ça. Il y a aussi cartographie schizoanalytique et, moins connu, l'inconscient machinique, essai de schizoanalyse. Donc, il aborde la constitution d'un territoire existentiel en ne le constituant ni comme une origine, ni comme une fin, mais en proposant de le prendre par le milieu. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans le domaine de la recherche-création et pour tous les artistes, à la fois chercheurs et créateurs. Donc, comment comprendre par le milieu dans lequel s'expérimente un voyage, s'effectue une exploration, un parcours. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point les compositeurs répondant à la question sur le dépassement des frontières, ils ont beaucoup appuyé sur l'idée de voyage, d'explorer, que c'est un parcours personnel. Et donc, c'est en lien direct avec cette notion de dispositif et de schizoanalyse, qui permet aussi l'unification de la réflexion et de la pratique de création. Et je crois que ça a le potentiel, tout en étant inclus dans une dimension plus grande que Louis-Claude nous a apporté, est à la fois un cadre théorique, analyse de création, une méthode et un outil de description, à tout le moins faire partie de ces efforts. Donc, personnellement, moi, je l'utilise comme méthode de compréhension et de production de subjectivité, dans ma pratique de création en art et technologie médiatique. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de dire qu'à travers tout ça, on est à la fois dans le dispositif et la partition. Donc, en répondant moi-même à ces questions posées pour le concert, et puis en faisant une rétrospective sur moi-même, je me suis dit, ah, finalement, tout ça, c'est un ensemble, et à la fin, dispositif et partition se rejoignent et se confondent admirablement. Donc, les pratiques de subjectivité mettent en relation dynamique la subjectivité de l'homme avec les systèmes machiniques. En ce qui me concerne, moi, c'est plutôt les liens machiniques proprement dit, leur incidence sur les processus, les méthodes de production, indirectement en relation avec mon type de pratique qui est pas si loin de celle de mes collègues. Donc, cette subjectivité s'articule selon quatre domaines, les flux matériels et phylums, les territoires existentiels et les univers de référence. L'idée de territoire est aussi, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé par les compositeurs en réponse aux questions qui avaient été posées sur le dépassement des frontières. Donc, justement, mon collègue Louis-Claude Paquin, déjà en 2006, nous disait que la détériorisation des agencements, c'est le moment où les objets sont décontextualisés, donc c'est le moment du déplacement, de l'altération de l'identité. Donc on est toujours en oscillation entre soi-même, l'agencement dans lequel on se trouve et le moment où on prend cette chose par le milieu, comme le suggérait Guattari. Louis-Claude nous mentionne aussi le striage, le lissage. Et donc, je passe rapidement pour pouvoir passer aux dernières étapes. Cette idée de
territorialisation, donc replacé dans un nouveau territoire. Et encore là, c'était vraiment une constante de la part des compositeurs, cette idée de territoire, de lieu, de carte, et comment ça se transforme et qu'on repositionne selon une œuvre, selon une étape dans notre recherche-création. Et cette idée du moment du retour vers soi et d'un repliement fécondateur. Donc, certains agencements peuvent être mis en position d'analyseur de formation et surtout s'appliquer à un individu, un groupe, des phénomènes sociaux. Ça implique au niveau personnel un style, mutation créatrice qui engage l'individu ou un groupe sans même qu'il en prenne conscience. Je pense que c'est notre cas. Tous les compositeurs du concert ne se sont pas parlé, rencontrés, mais il y avait vraiment quelque chose, une sorte de conscience inconsciente ou une conscience partagée. Ainsi, schizoanalyse et agencement d'énonciation jouent le rôle de support d'une subjectivité en acte. Donc, en résumé, moi, ce qui me tient le plus à cœur, me touche dans cette approche, c'est la volonté, la possibilité dans l'action créatrice d'un repositionnement fondamental de l'homme par rapport à son environnement machinique. Donc, tout ce qui est ce grand dispositif technologique, parce que chacun d'entre nous travaillons beaucoup avec les technologies, certains seulement avec les technologies, d'autres sont à la fois avec la partition et à la technologie ou avec la musique instrumentale et la technologie. Donc, tout ça, ça amène des nouvelles territorialités existentielles et le fait qu'on se questionne nous-mêmes en ce moment en est un exemple. Donc, il s'agit bien d'une approche de construction par déconstruction successive et tout ça nous amène au vivant sensible du créateur en mouvement. Et donc, Guattari parlait de cet observateur-concepteur. Et donc, je vais vous révéler les deux partitions. Permettez-moi de partager rapidement. Voilà. Donc, tous ces liens, ces mots-clés en rouge menaient à une volonté de définir un certain territoire, d'établir des liens entre ces territoires, entre ces dispositifs conceptuels. Et à la fin, on est vraiment devant une partition. Et ici, donc j'ai fait un effort ici de faire un schéma qui peut être un schéma de création, un schéma de rédaction ou d'énonciation communicationnelle à partir de ce qu'on fait. Donc, toute la question de la posture, la mise en contexte, le cadrage artistique, le cadrage théorique avec ses sous-groupes, les mises en application, les flèches récursives en boucle, les retours, tout ça dans une idée de méthodologie de recherche-création. Et à la fin, l'œuvre, elle est tributaire des espaces ou des différents dispositifs territoriaux, des différents acteurs, soi-même, les performeurs, les collaborateurs, le public. Et tout ça se passe aussi dans le temps. Donc, je m'arrête ici parce que nous sommes tout près de l'heure où nous allons. Je vais passer. Excusez-moi. Donc, oui, je vais passer la parole à mon collègue Ricardo d'Alfara, Closer and Further, The Balance, Unbalance Project. Donc, Ricardo, je te cède une minute supplémentaire. Donc, profite-en bien. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci beaucoup pour les minutes extra et pour l'invitation. OK. Oops. So, I have a problem here. There's a problem. Just give me a second. Now it's working.
Sorry. Yes, Closer and Further, the Balance and Balance Project. I'm going to start with this question. Can the art help to save the world? I think that in an image like this, I don't believe in global warming while the water is going up. I think it's a strong image. And when we work in certain issues, like we see that it's very important just to understand the message beyond to read 1,000 different papers explaining what the situation is. And in this simple phrase here, I mean, we can understand that the paradox of I don't believe in global warming while the water is going up and up. I took this picture in New York, like in 2011, about the gases going into the atmosphere, the greenhouse gases going into the atmosphere. And I was thinking in the heart of the capitalism, this was in the heart of New York, and we are talking about sustainability while all these things are happening. Who cares about this, really? And we talk about adaptation, this is in Beijing, or mitigation, atenuación de problema, resilience. Yeah, these images were taken from a publication from the Red Cross Climate Center, this one too. And at some point we reach this level of triage. If you know about triage, we have been learning this year, long year, about triage and what that means. When you have not that many resources, medical resources, who is going to be treated or not? So can we choose what path to follow? We can see in these images taken from the Museum of Tomorrow, the Museo de Amanhã in Rio de Janeiro, with this publication where they talk about the drinking water, the amount of people living in favelas, in really extreme poverty, the migration, the forced migration. At the same time, like we see in the right side, the consumerism extreme in certain countries. Well, we don't have what to choose in other places. So finally, as we can read here, is vous ne pouvez pas vous attendre l'avenir. So we cannot wait for more. So what can we do from our point of view, as our position as individuals in terms of the situation we are living? All these images were taken well before the pandemic, and this project started well before the pandemic. But maybe we can see how rapid things are changing in some cases. And this is something we can see is coming, but not that much is being done. So when we talk about l'art de la crise environnementale, some years ago, I started to think about all this situation and coming from a different country in the other extreme of the globe with different way of thinking, different way of taking decisions, etc., trying to understand how people think in different places and how people face different problems. So in this case, I think that a poet from Ireland in 2003 was writing, "In the hearts of people, some natural ease has been broken. Our trust in the future has lost its innocence. We know now that anything can happen. The traditional structures of shelters are shaking, their foundation revealed to be no longer stone, but sand. We are suddenly thrown back on ourselves." This was not written during the pandemic. This was written in 2003. And I think it can summarize a number of things happening that we can see or not. In my own work, I was trying to reflect some of this thinking, and I'm not going to stop in this piece, but I mean, just maybe a few seconds to understand if we can listen to what's going on. Maybe we can hear some sounds coming from water, and I don't know, probably the image through Zoom is not that good, but you can see a mountain in the background, and you can see someone rowing, and suddenly there will be some people talking, but it's the opposite in the images and the sound. Life is on the sound, while
almost nothing is happening in the image. So slowly the people is coming and you start to listen to life more and more. While you can see the sky, you can see the mountains, but you don't see any people, any human being or animals. Just jumping to what Jacques Attali was saying in his seminal book, Noise, the Political Economy of Music, when he was mentioning the first chapter, more than colors and forms, it is sounds and their arrangements that fashion societies. And I thought it was going to be interesting to see briefly, just briefly, it's a long thing, but I mean, at least to have an idea. But it's not over yet. When the plan comes out, the work's not done. In fact, it's really just begun. Because every province, county, city, too, have got to figure out what they're gonna do. Whoa. That's a lot to do. I know. Hey, what's it called again? The Shisanu. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanu. The Shisanu. I hope you can hear well. The sound. I think it's interesting to see the image. This is from China's government. So interesting to see what they are trying to explain here and what the images and the sounds are. I mean, the faces, the fashion, everything in this explanation about the plants in China. And I think it's very interesting to see how they are showing to the rest of the world, what they are doing, what they are planning to do, and the kind of music they are using and the kind of images they are projecting. So Attali was also saying, with noise is born disorder and its opposite, the world. With music is born power and its opposite, subversion. And he also said, all music, any organization of sound, is a tool for the creation or consolidation of a community. And I found in sound so powerful what Attali was saying like several decades ago. And I remember where there was like some terrorist attacks in France around 2015. And then there was in a stadium. And what happened when they received the message that they need to evacuate the stadium? Was interesting what was happening, because if we hear, so all the people leaving the stadium were singing their anthems, their Marseillaise, the Marseillaise. So, I mean, how the music is helping, like Attali was saying, creating or consolidating a certain community. So this has to do for me with the power of music, because if we see this funnel here with a question mark below, we see that we have balls with the economy of the world, the situation regarding the energy we need to run the world as we want, and the situation with the environment too. And too big these balls to pass all together through the same little hole. So one of the questions is, quel genre d'avenir voulons-nous? What kind of future do we want? And who is deciding that? Who is deciding that kind of future? I mean, should we do it? Each of us? Someone else? We are delegating this power to someone else, to many others? Who should be taking care of this? So, and if we want to do something, I mean, what are we doing regarding that? So, as Jorge Wachensberg said, art is a way of knowing complexity. And I think that this is connecting to, for example, this is just one example of someone doing a string quartet. And in this string quartet, there was students playing a piece where depending of the date, this is starting in the 1800s. So present. You can hear. So it. If you start hearing, for example, what's happening around the 1880, they are representing
different parts of the world, and the low frequencies are representing the temperatures. When you go up and up, if you see here, the higher frequencies now are representing higher temperatures too. So if you listen to the whole piece, it's a full representation of the global warming for the past 100 years and something. So let me go to the Balance and Balance project and some associated initiatives. Balance and Balance are climate and eco. So if we take the same funnel we were talking before with economy, environment, energy, but we put also art in this equation, let's see if we can do something. So that's basically what I was thinking some years ago when in 2010 I started with a symposium called Equilibrio Desequilibrio in Spanish, that is Balance and Balance translated into English, where we meet art, science, and technology, but focusing on possible solutions regarding the environment situation, the environmental crisis, and our responsibility in all this. The first one was in 2010 in Argentina, the 2011 was here in Montreal, using always art as a catalyzer in the intersection between nature, science, technology, and society. In Australia in 2013, and the UNESCO were supporting us, and Leonardo and many other institutions and organizations, because we were trying to join not just the traditional people, you know, musicians meet with musicians, lawyers meet with lawyers, engineers with engineers. We were meeting with everyone who could help in finding solutions regarding local, regional, global issues around climate change, biodiversity, the environmental crisis in general. And what this has to do with artists? Well, I think a lot, because we're artists who were putting together all these people. 2015 in Arizona, why the water around? Because Arizona has a strong problem with water. It's going to be out of water. They are not sure when. Could be 10 years, could be 40, 50 years, but they're running out of water. And in 2016, in Colombia, in Manizales, where you don't have a problem with water, at least in Manizales, where we did this, but we have all kind of other problems regarding environment. So, and in this particular meeting, we were talking especially about data science and eco-action, because the idea was, yes, how we link nature and society through art, science, and technology, but what was the point about this? Was awareness, yes, awareness, we all talk about awareness, but it's just to take us to reflection and to not just stay with the reflection, but then what are we going to do about this? And so the action in ecology, about ecology, that's the crucial point really in the whole thing. And there was a spin-off related to this project called Arte Clima or Art Climate, and we were working with the Red Cross Climate Center, creating sound art miniatures. And we could say, oh yes, the artists, because we want to save the world, such a nice people. But it was not the way it was working. It was the Climate Center, the Red Cross Climate Center, who were asking us to do something through art, because through art, we can create a community. We can bring people together. It's what Atali was saying before. So art, they were finding that was a key element that more and more was bringing people together, and they can send the messages, explain different things, and they work with art, and they work sometimes even with serious games. And they are doing this with all kinds of people, with a prime minister or a peasant or an engineer. So, and I saw how they work with this, and I started to believe that we can do really something. So we did this contest, the Art Climate, and the music we were creating was based on requirements, I mean, things that the Red Cross Climate Center was explaining us that they needed. The music was created by people from all over the world, now it's available online under Creative Commons. We did a number of contests with them. We work in several things on different topics. There's a lot of music that you can go to the
in SoundCloud and are freely available that anyone can use. And at the end, all these contests, like many other projects, are like helping them that usually work in urgencies. And we think, okay, but we work usually in electroacoustic music. There is no urgency in electroacoustic music. Nevertheless, for them was important to work with artists, and they found this was a useful matter for them. So this is really key. And what was happening in 2016 when we went to Colombia? What kind of people was going there? Luis Aran, conductor of the Asunción Orchestra, Symphonic Orchestra in Paraguay, but also strong leader creating solutions for climate change issues in Paraguay. Or Roger Malina, that many of you probably know, astrophysicist and executive director of Leonardo. David Rothenberg, right? David Rothenberg, that usually he's playing with whales. Sometimes he's playing with different kind of birds. He has very famous books and performings. So all these people that usually were not meeting in other places were meeting thanks to Balance and Balance. Santiago Ortiz, he's a mathematician, or Andrew Kluchkiewicz from the Red Cross Climate Center. So we met because there's different people with different profiles. We are all looking to the same point related to the environmental crisis. To do what? To create transformative knowledge networks, to have this network to have better possibilities, better chances to have a future, not for the planet, it's just for the human beings. So we did another Balance and Balance in the UK in 2017, in unbelievable places. We did another one in 2018. And now, if everything goes well, we will be doing one more in the next few months. So Atali, once again, our science has always desired to monitor, measure, abstract, and castrate meaning, forgetting that life is full of noise and that death alone is silent. Word noise, noise of man, and noise of beast, noise both soul or prohibited. Nothing essential happens in the absence of noise. And now we must learn to judge a society more by its sounds, by its art, and by its festival than by statistics. That's said by Atali. Because when COVID will be over, if everything goes well, climate change issues will still be there. So we will be doing another Balance and Balance soon. And let me finish just with a short fragment of this song from the Talking Heads, 1988. But just before this, just a little bit before this, he's singing something, a phrase very important, I think. And I think that what is being said in that part is really a crucial thing. When David Byrne is saying, and as things fell apart, nobody paid much attention. And sometimes I'm thinking, just take a look around us and see what's going on. So I think that we are in the time of saying, as things fell apart, nobody paid much attention. So that's the reason we are still doing Balance and Balance. And I invite everyone who wants to do things around climate change issues and environmental crisis to meet people coming from different fields, not just from the arts, and see how powerful music and art can be. Merci. Thank you. Oui, alors, merci beaucoup, Ricardo. Muchísimas gracias. Entonces, alors, okay. Maintenant, nous allons continuer avec Philippe Aubert-Gauthier. Oxoralité, genèse et histoire de la rencontre, frontière entre les métamatériaux acoustiques et l'art sonore. Donc, à toi Philippe Aubert, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour. Merci pour cette opportunité-là. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, juste une seconde. Oui, un petit ajustement. C'est bon. Donc, oui, merci pour l'opportunité. Donc, on va parler de ce projet-là, Uxoralité. J'ai décidé, en fait, de faire comme un survol, en fait, de l'histoire de ce projet-là. Je tiens aussi à remercier le Georges Roussel puis Anna Dallara-Magic qui sont vraiment importants dans ce projet-là. D'ailleurs, Anna a présenté hier soir pendant la grande nuit là, une pièce que je vous invite à aller écouter a posteriori. Donc, parlant de remerciements, juste pour que vous sachiez, Uxoralité, c'est un projet d'équipe qui implique plusieurs personnes, dont Nicolas Bernier à l'Université de Montréal, Julien Sylvestre à l'Université de Sherbrooke. On a eu François Proux comme stagiaire, Georges et Anna aussi, Georges comme postdoc et Anna comme artiste. Donc, je tenais juste quand même à leur dire un petit coucou au passage. Donc, ce que j'ai choisi de faire, en fait, pour parler de ce projet-là, c'est de voir, en fait, d'où ça venait. Ce projet-là sur les métamatériaux acoustiques que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, on va voir un peu, honnêtement, c'est mon parcours personnel au niveau du son. Puis après, je vais me focusser plus sur des projets de recherche qui ont eu lieu dans les dernières années, recherche et recherche-création. Puis on va voir comment de ces projets-là, au fil du temps, ça a donné naissance à Uxoralité que je vais présenter en deuxième partie. Essentiellement, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Donc, allons-y sans plus tarder. Premier contact personnel, comme beaucoup jeunes. Évidemment, la date des photos et des images traduisent les années. Commencer en musique, musique qui devient média, exploration de différents outils de Uzeb jusqu'à Metallica. Je fais exprès pour ne pas trop avoir l'air sérieux, mais c'est l'origine dans la jeunesse. Jusqu'aux 4-tracks, puis plus tard, jusqu'à comme stagiaire pour travailler sur les implants cochléaires. Donc, j'ai toujours évolué avec le son. Puis comme plusieurs jeunes, je me suis dit, bon, est-ce que je vais étudier en art ou en sciences ou en technologie? Donc, finalement, j'avais choisi il y a longtemps d'étudier l'ingénierie et l'acoustique pour aller explorer ça un peu pour développer une pratique en art sonore et en art audio. J'ai été chanceux en faisant mon doctorat en génie mécanique au groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke. La chance venant du fait que le projet sur lequel j'avais atterri concernait l'immersion et la spatialisation sonore. Donc, pour moi, c'était comme fantastique. J'étais dans un contexte de technologie, mais sans que personne le sache, je faisais de l'installation sonore. Donc, ça fait déjà pas mal d'années. Donc ici, un petit cerceau de 24 haut-parleurs que j'avais développé avec Wavefield Synthesis et compensation de salle. Par la suite, postdoctorat en son 3D immersif, mais plus appliqué aux véhicules, en fait, puis à la simulation virtuelle de différents véhicules. Pendant ce temps-là, quand même une pratique artistique qui se travaille et se développe. Juste très rapidement, là, des influences que peut-être que vous connaissez. Simon Don du mode d'existence des objets techniques qui était vraiment pour moi fondateur. Alors que j'étudiais en génie, c'était une des lectures philosophiques les plus fines de ce qui se passe concrètement dans le monde de l'industrie et du génie. Donc, grande, grande influence. Aussi, Wilder qui a écrit un livre, Electric Sound, assurément moins connu, mais qui a un chapitre pour moi qui a été très influent sur est-ce qu'on doit performer ou dissimuler la machine. Puis c'est une lecture historique de ces constructions-là. Et il a introduit aussi ce que vous avez peut-être déjà vu qui s'appelle les Social Construction of Technology ou les SCOT. Donc, pour moi, c'est pas mal des choses qui m'ont influencé. Je me plais à dire que je fais comme maintenant un détournement d'un quotidien d'ingénieur-chercheur, ayant été moi-même dans le monde industriel et tout. Et je m'intéresse vraiment au sens et construction sociale des technologies dans ma pratique. J'ai fait exprès pour mettre Feyerabend ici en coin, en petite blague avec la science en tant qu'art, avec un titre un peu provocateur. Donc, avec les années, je pense que maintenant, moi, je me permets de dire que je fais art, science et technologie. Le « ou » s'est dissipé vers un vert tendre. Donc, si on continue, c'était juste pour contextualiser. Je veux juste quand même présenter des travaux en acoustique et en audio 3D qui consistent essentiellement à comment on gère l'espace en son. Donc, c'est vraiment des recherches dans un contexte d'ingénierie et de physique. Donc, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a entendu, par exemple, avec le dôme qu'a introduit Simon-Pierre. Donc, en gros, ce qui m'intéresse, c'est le son mis en espace ou ce qu'on appelle l'acoustique virtuelle. Pour clarifier ce que ça veut dire exactement, l'acoustique virtuelle, l'acoustique, c'est une science avec des mathématiques, de la physique. Puis l'idée virtuelle, c'est qu'on prend toutes ces mathématiques-là puis on les rend en 3D virtuelle. C'est un peu l'équivalent de l'image de synthèse du jeu vidéo, mais basée sur l'acoustique. Donc, les thèmes de recherche, c'est un des thèmes de recherche que je développe. C'est beaucoup immersion et spatialisation sonore. Au niveau technologique, c'est des réseaux de haut-parleurs. Je me suis intéressé à la reproduction, modification et captation sonore en 3D. Puis c'est aussi pour replacer l'usager au centre de l'acoustique, parce que l'acoustique était une science qui était devenue une science de chiffres et de nombres. Avec l'acoustique virtuelle, on peut comme dire, ah, voici comment ça sonnerait à côté de chez toi s'il y avait cette méga usine.
Puis là, on peut faire, par exemple, des participations citoyennes avec des environnements virtuels pour voir la réaction des gens. C'est vraiment un focus sur comment on perçoit le son, mais la technologie est comme la plateforme pour ça. Donc, vers où ça nous mène? Juste pour donner des exemples concrets, il y a eu une simulation avec Bombardier, dans le temps que Bombardier, ça allait bien. Simulation 3D des intérieurs d'avions pour comprendre comment c'était perçu et senti. Puis c'est 3D ici, par exemple, avec 85 microphones qu'on a fabriqués pour faire une captation 3D en vol, pour après, par exemple, la reproduire dans une cabine d'avion en laboratoire. Juste un exemple de résultat pour montrer le fait que nous, c'était une approche physique. Donc, à gauche, ici, j'ai une cartographie de la provenance du son pour 500 Hz et 1195 Hz, deux exemples parmi d'autres. Ça, c'est ce qu'on a mesuré en vol. Après, on reproduit ça dans un simulateur et on remesure ce qu'on reproduit pour comparer. C'est une approche objective, là, vous aurez compris. Puis, c'était quand même une fierté de dire, waouh, en 3D, j'ai réussi à vraiment replacer ces trois espèces de lobes de son-là aux bons endroits avec une quarantaine de haut-parleurs qui transforment, pas des haut-parleurs, mais des actionneurs qui transforment les parois en haut-parleurs. Après, ça s'est poursuivi aussi au niveau de la santé et sécurité. Étrangement, la localisation sonore, ça peut amener des blessures et des décès même, parce que sur les milieux de travail comme le chantier, les alarmes de recul, les alarmes, tous les indicateurs d'alarme ou de danger sont parfois mal localisés, donc on se retrouve avec des bouchons, on va dans la mauvaise direction, on est blessé. Donc, il y a eu un travail sur plusieurs années, ici des captations sonores 3D de différents environnements de travail. Puis, on ramène ça au laboratoire. Ici, c'est à partir de 2012 à Sherbrooke. Donc, on avait 96 haut-parleurs organisés pour ce qu'on appelle la Wave Field Synthesis. Moi, j'appelle ça aussi une piscine à vagues acoustique, c'est-à-dire qu'on essaie de recréer les ondes comme si on était dans une piscine à vagues qui essaie d'imiter les vagues de tel océan. Donc, l'idée, c'est de retourner en laboratoire après pour recréer ça. Par la suite, on a continué à pousser avec un doctorant, Pierre Lecomte, qui a terminé en 2016, qui a travaillé sur une grille de 50 haut-parleurs custom ou fait maison en 3D. C'est ce que vous voyez ici. J'espère que tout le monde voit bien. Ouais. Et ensuite, on a aussi en impression 3D ici une sphère de microphone à 50 microphones qu'on avait fabriqué pour la captation 3D. Et évidemment, ça, c'est une approche qui est un peu différente. 3D immersive, donc merci à Robert Normando pour la photo. Mais c'était centré sur une personne, par exemple, qui peut écouter le truc en 3D. Ce n'est pas fait nécessairement pour un groupe. Plus récemment aussi, en 2021, avec Pierre Grandjean, on a poursuivi ça. En fait, ici, c'est une antenne de microphone à 100 microphones, custom, vous aurez compris, c'est une boule de quille. Donc, on aime bien les approches artisanales. En fait, on a réussi à faire un système double couche de micros. Donc, il y a un micro ici et un là. Donc, un en base de tige et un en haute tige. Donc, c'est un peu comme si on avait un double micro en ambisonique, à peu de frais avec le design qui est fait par nous, évidemment, ça permettait de travailler avec une plus vaste plage de fréquences. Plus récemment, mon programme de recherche, c'est plus concentré sur ce qu'on appelle la génération de contenu pour l'acoustique virtuelle. Donc, aller plus loin au niveau de la création de modèles 3D plus poussés en audio, ce qui inclut les modèles virtuels, la simulation, les approches hybrides là, avec captation et simulation. Beaucoup inspiré de l'image de synthèse, mais aussi des plus récentes avancées en traitement du signal. Idéalement, il y aurait une réalité augmentée acoustique là, pour le futur avec un étudiant maîtrise et doctorat présentement, mais je ne vous en donne pas trop plus d'informations. Je vais essayer d'aller plus vite vers le projet comme tel. Donc, juste pour donner deux, trois exemples de projets de recherche-création qui sont inspirés par ces genres de questions-là sur l'audio 3D, puis après, on va aller vers l'auxuralité. Donc ici, j'ai choisi deux exemples, dont un plus vieux ici, 2007. Je me posais des questions sur la fragmentation de l'espace sonore, qui est un spin-off de mon doctorat. Je me suis intéressé à la création des faisceaux sonores avec Philippe Pasquier pour une installation en 2007. Donc, ça, c'est à Concordia, un réseau de 16 haut-parleurs, en fait, que j'ai souvent présenté. Il y en a peut-être déjà qui l'ont déjà vu ici. Mais avec ça, avec 16 haut-parleurs, on peut diriger le son dans une certaine direction. Donc là, c'était fait avec Pure Data. Ça permet de créer des zones illuminées. Puis ça pose cette question-là de c'est quoi la fragmentation d'espace sonore? Quelqu'un peut entendre quelque chose dans l'espace, quelqu'un d'autre peut entendre d'autres choses. Qu'est-ce que l'espace sonore privé, public et celui qui est évidemment à vendre ou commodified en anglais? Donc, on peut créer toutes sortes d'effets avec ça. Je vais juste un petit peu accélérer un exemple aussi d'autres œuvres plus récentes, 2014 au FIMAV. Je m'intéressais à cette idée-là d'un dispositif d'immersion visuelle. On parlait de dispositif tout à l'heure avec Louis-Claude, je pense qu'il était à côté caché. Disparu. Merci Louis-Claude pour ça. Donc ici, c'était l'idée d'explorer le studio comme un genre de dispositif acoustique qui peut moduler l'écoute. Donc, on sait qu'avec deux micros, on peut faire une captation sonore, ça recrée une image stéréo. Je me suis dit, pourquoi pas le faire de façon purement acoustique, une espèce de pinhole caméra, donc une boîte avec deux trous qui font le travail des micros. Donc, je l'avais réalisé en version surround 5.1 dans un parc, donc avec cinq trous.
Et là, on pouvait entrer dans la boîte. Et l'intérieur était comme un studio inachevé avec des haut-parleurs, mais qui était incomplet. Puis on avait comme une écoute purement acoustique en 5.1 via les trous de l'environnement sonore. Donc, c'était un peu l'écoute médiatisée. Il faut savoir aussi que les murs étaient vraiment isolés. Donc, l'essentiel du son passait par les trous et aussi par la porte, malheureusement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. C'est peut-être un des points faibles, mais le concept était là. Plus récemment, je vais vous faire un survol aussi avec Tania Saint-Pierre. On s'est intéressé à l'impression 3D. Et là, c'est tout ça va converger vers l'auxoralité. Donc, pour nous, ça a été longtemps une énigme. Donc, de 2016 à 2019, on a choisi de faire une œuvre qui explorait, en fait, l'impression 3D, mais dans la plus grande lignée historique de la culture de l'impression. Donc, on a fait des simulations purement numériques de phénomènes de gravure, de plaques qui embossaient du papier, mais tout ça était 100% fake numérique. Mais ça nous amenait des réelles impressions, des plaques d'impression en 3D avec toutes sortes d'artefacts historiques cachés. Comme ici, la plaque est un peu courbée. Comme à l'origine, c'est ça qui se passait avec les plaques d'impression, elles finissaient courbées. Donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi la série limitée en gravure a été inventée, c'est que finalement, après tant de passages, la plaque était plus utilisable. Donc, ils ont transformé le glitch indésirable en opportunité de rareté artistique. Mais donc, on s'intéressait à ce sens-là culturel d'impression 3D présenté en exposition avec des textes sur l'histoire de l'impression. Mais j'insiste sur le fait que tout était bidon, en fait, créé à partir de la 3D. Même une impression comme ça, c'était une simulation des ombres dans ces fausses plaques d'impression. Donc, toute une série d'images. J'arrive enfin où est-ce que je voulais arriver. Tout ça pour dire que d'un côté, il y a eu un intérêt pour le son, plus récemment, des explorations de la matérialité en impression 3D. Puis, ça nous amène aussi... Moi, il y a des choses qui m'ont pas mal intéressé ces dernières années. C'est tout ce qu'on voit là, au niveau du matérialisme numérique. Donc, je me suis posé la question en 2018-2019, qu'est-ce qui serait la rencontre du son 3D puis le matérialisme numérique? C'est ça qui a amené Auxoralité. Donc, l'origine, c'était de dire, il y a les matériaux acoustiques que je vais expliquer là, sommairement, sont typiquement en impression 3D qui vont modifier le son. Donc, ça peut être utilisé comme des filtres, des traitements du signal, comme des plugins, mais objets, en fait. Donc, c'était la matérialité du traitement signal sonore qui m'intéressait. Puis, j'avais vu apparaître dans la littérature des phénomènes spatiaux qu'on pouvait créer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du son 3D juste par moyen passif avec les métamatériaux. Donc, qu'est-ce que c'est un métamatériau? Il faut que je surveille un petit peu l'heure. C'est bon. Parfait. Donc, un métamatériau, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'expliquer vraiment en pas beaucoup de mots. En général, les matériaux dans la vie, on les observe, on voit leurs propriétés, on réagit, on fait des designs. Donc, si un jour j'invente l'acier, j'observe les propriétés de l'acier et les objets technologiques en acier. Les métamatériaux, c'est un peu l'inverse. On va supposer qu'il y a un matériau qui n'existe pas encore. On va le supposer imaginaire. On formule un requis physique. Puis avec les équations de la physique, on dit bien, tel matériau qui n'existe pas aurait telle propriété en fonction de l'espace pour créer tel phénomène. Puis après coup, une fois qu'on a la conception théorique de ce matériel-là, c'est par impression 3D qu'on va créer des éléments qui vont comme avoir cette propriété physique qui n'existerait pas autrement. La clé, c'est l'idée d'une cellule répétée. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme des trous qui se répètent des centaines de fois, qui agissent comme des microfiltres. Donc ça, c'est un equalizer. Ce sont des briques qui, si on faisait un mur, on aurait un mur qui pourrait, par exemple, amplifier la voix ou atténuer telle chose, ou machin, machin. Donc, ça permet la modification en gain et en phase des champs sonores. Il y a des jeux de délai, de résonance, il y a aussi des effets de lentille, d'hologramme, puis ça crée des effets non naturels. Donc, j'ai une autre présentation qui s'en vient. Vous allez voir, ça va changer de couleur. C'est grâce à Georges qui avait développé le côté scientifique de ça. Donc, juste pour rappel, c'est qui l'équipe. On a été chanceux. Deuxième tentative à FRQ Audace en 2018 obtenue. C'était débuté en 2019. Évidemment, ça a été grandement ralenti par la pandémie. Tout est devenu tellement compliqué, sans surprise. Donc, le principe un peu, c'est qu'on fait de l'audio 3D, on a plein de haut-parleurs, on fait du traitement du signal, on envoie des signaux, puis là, on peut sculpter les champs. L'idée, c'est pourquoi pas faire un objet en impression 3D qui fait exactement les mêmes genres de traitements, mais simplement par moyen acoustique. Donc, j'espère que vous voyez le lien entre cette matérialité-là, l'intérêt pour le son 3D et tout ça. Donc, on avait toutes sortes de recherches et questions, des recherches de questions, c'est cool, ça, c'est un beau lapsus, je vais essayer de m'en souvenir. Donc, du point de vue d'art sonore, on voulait se poser la question de comment on pourrait réinventer, si on peut dire, de façon si peu modeste, l'installation sonore avec ça. Puis, au niveau acoustique, c'est un peu une opération suicide parce que la plupart des métamatériaux acoustiques ne sont pas développés pour les bandes audio. C'est pour les ultrasons, les applications militaires ou médicales. Donc, on avait quand même un gros risque. On se posait la question comment adapter ces technologies-là à la bande audio pour avoir un effet audible. Donc, l'idée, c'est d'avoir un processus de co-création qui confond les profils entre artistes, chercheurs et tout ça, dans la pratique aussi, puis aboutir à quelque chose qui serait
œuvre et prototype. Donc, selon le contexte présenté, ça peut être un prototype de laboratoire. Si on le présente dans un autre contexte, tout d'un coup, la même chose a l'air d'une œuvre. Donc, c'est un peu notre visée. Donc, là, je vais présenter pour les 5-6 minutes qui restent le projet comme tel, en fait. Je voulais quand même donner une explication d'où ça vient. Donc, on a appelé ça auxuralité. Titre en anglais, on aimait bien l'idée Air Zone, 3D Printed Acoustic Metamaterials, parce qu'on se rendait compte que dans la littérature, c'est souvent les simulations théoriques, beaucoup d'explorations de physiciens, mais très peu souvent, on avait écouté. Donc, nous, la première mission qu'on s'est donnée, c'est d'imprimer toutes les familles de métamatériaux puis écouter, voir est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, juste pour faire une revue des utilisations, on a ce qu'on pourrait appeler le cloaking, ou ça, c'est les capes d'invisibilité. Donc, c'est une espèce de machin comme ça qui fait qu'il n'y a pas d'écho. Donc, si un objet à l'intérieur de ça ne créera pas d'écho, c'est typiquement utilisé par les militaires pour cacher les objets ou, mettons, les avions qui peuvent pas être détectés par sonar. Sinon, on peut avoir des absorbeurs, des espèces de briques comme ça, qui sont des comme avec plein de flûtes qui vont aller chercher certaines fréquences. On a aussi un autre exemple ici en bas, là, numéro 5, organo, qui est en fait une installation sonore qui, après coup, a été découverte comme métamatériau acoustique alors que ce n'était même pas le but. Donc, c'est un cristal acoustique avec une structure répétée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle le contrôle de champ, donc des petits tubes avec différentes longueurs qui permettent d'ajuster les délais. Et avec ça, on peut carrément faire de la wave field synthesis de matière, si on peut dire. Comme vous voyez ici, c'est jaune. Un son qui arriverait du bas, comme ça, il va être dirigé vers la droite, comme si on le faisait avec un réseau de haut-parleurs. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est auxuralité pour une sorte d'aide ou assistance à l'écoute. Donc, on s'intéressait aussi à cette idée-là d'écoute plus qu'humaine. On en parlait tout à l'heure, tout ça, là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Puis on s'inspirait autant du bio que du mécanique. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est des simulations. Donc, grâce à Georges, on a simulé la physique, différents matomatériaux pour voir quels étaient les résultats, qu'est-ce qui était le plus probable. Après, on a imprimé, l'image est un peu petite, mais c'est un bout d'écouteur connecté sur un truc modulaire. Comme ça, on pouvait mettre des segments qui correspondent à différents matomatériaux et y aller, disons, à brute force. On pouvait se le mettre sur l'oreille pour aller écouter, voir ce qu'on préférait, faire des enregistrements et des explorations. Ça a été aussi l'occasion de développer une suite logicielle, avec des logiciels qui existent, mais on a comme intégré une suite open source pour faire la simulation 2D, 3D, mais aussi leur réalisation. Donc, ça nous permettait, une fois qu'on faisait une simulation élément fini, on obtient la réponse en fréquence, on ramène ça dans le temps, puis on peut l'amener dans n'importe quel plugin audio pour l'écouter à l'avance plutôt que de fabriquer et de juste écouter. Donc, c'est une suite aussi qu'on a développée. Par la suite, on a eu une résidence à Sparabol à Sherbrooke pour tester, développer des impressions 3D. Donc, lui, évidemment, il ressemble un petit peu à un hérisson. Donc, différents modules qui ont été développés. Ceux-ci s'inspiraient d'ailleurs des têtes de criquets qui agissent comme méga boîtes de résonance. Donc, on a répété cette cellule-là plusieurs fois pour créer un métamatériau, si on peut dire, inspiré des têtes de criquettes. Donc, toutes sortes de recherches qui ont eu lieu. On a développé aussi des microphones pour les écouter. Je vais juste donner un exemple de réalisation simulée. Donc, ici, c'est une captation quelconque, c'est plus une composition. Puis, on a utilisé les simulations, en fait, pour écouter comme un peu à l'avance ce que ça allait donner. Juste un court extrait. Juste pour inciter, là, c'est vraiment une composition électroacoustique basée sur les simulations numériques de ces trucs-là, en fait. Vu que le temps file, je vais vous laisser un tout petit extrait. Finalement, on a aussi choisi une approche modulaire. Oups, on va arrêter ça. Une approche modulaire qui permettait de connecter les trucs. Donc, à Sparabol, en décembre, en plein confinement, c'est ce qu'on a quand même pu réussir à faire, qu'ils ont pu faire. Donc, différents matériaux qui avaient été testés. Donc, ici, ça, c'est comme les têtes qui ont été connectés pour créer des résonateurs avec des haut-parleurs et des micros à l'intérieur, toujours en impression 3D. Différents artefacts, en fait, qu'on a utilisés en exploration. Donc, juste pour conclure rapidement, le temps file, mais c'est pas si mal. Perspective critique suite à ça, en fait, un des grands défis auxquels on a fait face, peut-être dans notre monde du spectacle et de l'effet, c'est comment faire une œuvre sonore qui est quand même toute en subtilité, en fait, parce que c'est pas comme si en créant un cristal sonore, je mets ça dans ma chambre ou dans mon salon, puis tout d'un coup, il y a une espèce de son électroacoustique magique qui apparaît. Au contraire, c'est tout en finesse. Nous, on a vraiment constaté que c'était quand même difficile à maîtriser et on a été vraiment limité par les coûts et l'impression 3D, alors qu'on avait quand même un budget substantiel. Donc, ce qu'on vise pour une suite, ce serait peut-être d'aller vers des plus grandes échelles puis des dimensions carrément architecturales, par exemple un mur ou une œuvre 1% qui aurait une méga interaction avec le son de par le nombre de cellules répétées. Donc, ça, c'est pour les perspectives critiques. Et
dernière diapo. Donc, temps récent et futur, juste pour résumer, on a eu une résidence à Sporable, ce qui était très chouette. Une résidence à Hexagramme 2021, interrompue par quelqu'un qui a eu la grippe. Donc, je vous laisse imaginer quelles ont été les conséquences. On n'a rien fait, on a juste été tous en isolement. Personne n'a eu la COVID. Donc, on a quand même des manuscrits en préparation. Présentation publique et variante à surveiller, probablement cet été, peut-être dans le contexte du FIMAB. Je dis des peut-être, je vous laisse deviner. Espoir aussi d'aller à plus grande échelle, puis un site web si ça vous intéresse pour en apprendre plus. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est bon pour les temps. Donc, merci encore pour l'invitation. Simon-Pierre, je te donne la parole. Merci beaucoup, Philippe Aubin. Très, très intéressant, encore une fois. Et donc, maintenant... Ahora, Dr. Rodrigo Segal, Borders or Limits, a Personal Perspective on Composing and Collaborating. So, Rodrigo. Thanks very much, Simon-Pierre. It's great to be here. I'm Rodrigo Segal, and I'm very sorry I don't speak French, but I'll do it in my best possible English. Thanks very much for inviting me. I'm going to share my screen and start. Okay. So I hope you can see my presentation and hear me well. I'm Rodrigo Segal, and I'm very thankful to Simon-Pierre, Hexagramme in general, MatraLab, Sandeep. Thanks very much for all the collaboration for the past few years. Also Dr. Dalfarra and Concordia University. And I say this because most of my short presentation goes around a personal way of collaborating and finding ways of putting my music as a live performance, and how I approach the idea of score and the limitations or borders when I work as a composer. I'm an electroacoustic composer myself. I run the Mexican Center for Music and Sonic Arts in Morelia, Mexico, which is now somehow part of the National University of Mexico, the national school that includes a program for undergrads in Morelia, which belongs to the National University, UNAM. And from there, we run programs, of course, an undergrad program, but also master's, PhD, and postdocs, where we mainly do research. It's a fairly new project, and we just started 5 years ago. And slowly, we are building a research space where we can collaborate and have more staff and postgrad students working with us and everything. So that's more or less the environment where I work with. We have a couple of fairly new research projects, bigger projects with the University of California, Riverside, and other places in Latin America and Europe, that it's part of what we are starting to do here. Myself as a composer, I'm going to be talking about, let me just move this a little bit, hold on, about the ideas and the topics of electroacoustic music and how I collaborate with visual artists and performers as part of the project that I run called Luminico, sorry. And also how I understand, as I was saying, the borders and the limits to be explored and how to collaborate and bring the pieces into on stage. So mainly as a composer, hold on a second. Now I can do this easily. My main concern, my main practice as a composer has been centered around working with mixed music. I did a PhD in electroacoustic music and mixed pieces in the UK, and I had a few years of being able to work with performers over there, and that started me into what I was, how to develop interfaces and how to get into the digital part of being a composer, finding not only new and interesting ways to interact with the performer, but also bringing everything into the live performance. And that's when I started
also performing live and doing live electronics and all that stuff. And also the idea of an hyper instrument or a conceptual idea, which is not mine, of course, it's been done by many people, of expanding acoustic instruments through the digital means to be able to expand the performance and creative alternatives that that are available for me as a composer. So I'm going to divide these concerns during the following minutes and show you mainly three short examples of different approaches and how I deal with performing the pieces, a little bit about the score and how that works. So first, the idea of my creative practice around mixed music and doing this live performance at the end of the 90s and very early in the 2000s, I started working with different performers and finding ways of collaborating with them like longer of a piece, beyond one project, and finding ways of collaborating and performing other pieces by others. And I then started in 2005, 2006, a project called Luminico. And the reason I mentioned Luminico is because it's been part of what has been done in Montreal for a few years. And it's something that I really enjoy doing. And at the end of the day, Luminico has been working as an ensemble for many years, just finding and exploring and doing some research on ways to bring interesting music to stage without the normal concert approach. And it's a project that aims to work with visuals, sometimes video, sometimes stage lighting and stuff like that. But at the end of the day, it's the idea of creating repertoire and performing repertoire in a different way, where the audience it's exploring what we call their the opportunity for their consciousness and perception, and usually with the multi-channel systems and everything. I also conceive my own projects and music as a long-term project. That's what I was trying to say before, where I work in one idea or technical idea or conceptual idea of music from different angles, various different angles. So for example, this idea of bringing pieces into the stage with flute, I'll show you an example and other things. It's the same way, it's different ways of resolving or solving the same problem. That's something that really interests me. So if I'm very much into creating an extension of the acoustic instrument, I try the same thing with various instruments in different pieces. So at the end of the day, I conceive my work, my own music, as a longer process than a piece that stay on for some time and usually ends up with a CD, with a web page, with a book, with a text or whatever, after a couple of years of exploring the same problems from different perspectives. And then I concentrate. That's why how I decide to concentrate in particular problems for longer periods of time. So an example is this project called Luz Negra by Luminico. It's a project that we did during the pandemic as a response to how to continue working from the distance like everyone else, not only using the same tools, but also discussing between us which pieces were suitable for this new reality where we can't get together, where we can't perform, where how can we work with music that has some beat and pulse and tight synchronization between the computer, the performers, and how can we do that online and at the end of the day generate a video or a visual counterpart that can be released on YouTube and all the media. And of course, also talking about the bureaucratic stuff that Mexico, it's always a nightmare in that sense. All the funding and grants and everything took at least a year. They are just slowly adapting and accepting that we are doing concerts online. So they didn't want to put the funding forward that we already had. So all those problems became our main issues during the year for bringing to the stage or the virtual stage the work. So I'm going just to show you a very brief example of some of the work and interaction that has been done with the same tools that you all know. I don't know what's
It's not playing. Should be playing there. It's over here. I'm very interested, and I've been spending a few months working with these performers, Alejandro Escuera and Iván Manzanilla, Alejandro the flutist, who has been with me to Montreal and many other places performing Luminico, and now finding ways of creating an interesting interaction and developing scores that can be distributed between all of us, and then there's some improvisation included, and there's also experimentation, and of course long periods of time where each works on their own in their own studio, and we all develop ideas very much like I used to like to do with performers when we were able to meet face to face. But I mentioned that and include this quote that I'm showing you now, and I'm not going to read, but the idea is that as a performer and mainly as a composer, how do I understand the ways that I can transmit or communicate a couple of signs or signposts, as the text mentions, where people can understand where the language of the piece or the project is actually going? How can I add to my score some little tips or details that the performer understands and it's easy to get and always easy to perform, that allows him or her to do some gestural things with their instrument or with the or with the physique or with the movement of a human being, to allow the audience and themselves and other performers to understand where they are. And then between these signposts or these signals, allow them to be free. They don't have to be in sync. They can improvise. They can sometimes read the notes and do exactly what it's written, but they don't really have to be like on a tight and a complex click track or tempo or whatever. So it allows, at the end of the day, what I'm interested in is to allow them to be able to work as a chamber ensemble and to be able to follow them, but to follow the other musicians. So that's part of the thing that connects with this meta-instrument idea, that it's a way of expanding performance and creative alternatives, understanding the possible connections between a multi-channel sound, the lighting, and the space as an instrument. So an example that I'm going to show you, a brief example I'm going to show you, is using lighting and space to generate the structure of a piece, and going beyond the physical limitations or the borders of only the acoustic instrument, using the technology, and the idea of going beyond the burden of the score. So this is a short example of an installation that works with interactive sound and lighting that I did. It's called Deep Flight, and it's based on the
technical charts of the planes that land in Mexico City every day. So, well, that's a live register. So the idea of the multi-channel system is that you move around and you get different, of course, different sensations. So this idea of the meta instrument or the space as an instrument, it's all, of course, going a little bit beyond the physical limitations, as I was saying, through an acoustic instrument. I usually do this with a score, a normal score that you can see here. This is the score of the example we're about to listen to at the end of the talk. And then using Max and remote controllers with whatever we have available as phones or pads or computers or whatever, we can interact from the distance. So the idea of generating a piece that also allowed the performer with the acoustic instrument, in this case, the example is a guitar instrument, to react to what's going on the tape. The performer has has earphones, and they don't have a click track, so they have to react to different improvisations that I do from the computer through this patch in Max MSP. So every time the tape that it's fixed has a different way of a different result. So just to try to be more precise, the performer is listening to instructions that are different every time that I decide on the spot, but the tape is fixed. So the idea of this piece called Synapses is that it's the performer who has to deal with the real-time interaction and the real-time processes as an expansion of a meta guitar, or a guitar can actually do everything, which includes controlling the human being that actually activates the strings. So this is just a brief example of a middle section of the piece. So there's a lot of synchronization, but at the end of the day, I'm trying to find through the score a way to free the performer
and to find interactions between me as a composer, performer from the computer, and of course, a real-time interesting piece that has a different result every time, but at the end of the day, it accomplishes a structure, a duration, and everything that it's part of that. So at the end, although these were three very short examples, those are more or less my examples regarding that. So thanks very much for inviting me. I'm open to any questions. And again, I'm sorry I don't speak French, but I'm very happy to answer any of them later on. And thanks very much for the invitation. Thank you very much, Rodrigo. Muchísimas gracias. Alors maintenant, on va entendre Sophia Noudry. Donc, intelligence artificielle et création médiatique en général et particulièrement médiation sonore. Donc, à toi, Sofiane. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de cette invitation. Je vais vous parler brièvement d'intelligence artificielle, plus spécifiquement d'apprentissage automatisé. D'abord, quelques petits exemples, une petite présentation, une petite mise en situation un peu plus historique. Et ensuite, je vais parler un peu de certains de mes travaux en lien à ça qui ont une dimension sonore. Et pour terminer, je vais présenter quelques exemples de métaphores que les gens, les artistes, les musiciens utilisent pour parler de leur relation avec les systèmes d'intelligence artificielle. Pour vous situer, donc moi je suis une artiste, professeur à l'École des médias en médias interactifs et j'ai un background à la fois, donc d'abord en fait en informatique et également en art et en sciences sociales. Je prépare, en fait, j'ai un livre qui s'appelle Art in the Age of Machine Learning qui va sortir à l'automne 2021 sur cette question-là de la pratique des pratiques en art, en musique qui sont reliées à ces nouvelles technologies de l'apprentissage automatisé. Et dans lequel j'utilise une approche en fait de recherche-création, mais aussi beaucoup basée sur des entretiens que j'ai fait avec des artistes qui sont actifs dans cette scène. Pour faire une distinction un peu rapide, pour une histoire très courte, essayer de comprendre ou situer qu'est-ce que c'est que le machine learning, l'apprentissage automatisé. C'est une approche en informatique ou en intelligence artificielle plus particulièrement qui va essayer de résoudre certains problèmes ou de permettre d'effectuer certaines tâches de manière automatique, mais non pas en les programmant directement, mais en entraînant un système qui va être capable d'apprendre par lui-même à base de règles. Donc, je donne un exemple. Si je souhaite faire un système qui est capable de jouer ou de composer des partitions en imitant le style d'un compositeur comme Bach, il y a une première approche qui consisterait à dire je vais essayer de coder à la main, je vais lire. Je vais devenir un expert de Bach, où je vais interviewer des experts de Bach et je vais essayer d'extraire un peu les règles qui font en sorte que je pourrais peut-être générer de la musique qui sonnerait un peu comme ça.
Le problème, c'est que même si on avait Bach lui-même avec nous, et on lui demandait, ben explique-nous comment composer des pièces comme les tiennes, ben probablement que Bach ne serait pas capable de nous expliquer exactement comment il procéderait. Il y aurait souvent des règles de base. D'ailleurs, je ne connais absolument pas du tout, soit dit en passant, je ne suis pas très, très familier avec, en fait, avec la, je ne suis pas du tout musicologiste, là, mais j'imagine que Bach nous donnerait certaines règles de base, là, avec lesquels il part au niveau de la structure de la musique, mais au final, il finirait par nous dire ben, pourquoi je fais tel ou tel choix. Il y a une partie qui est très, très intuitive. Donc, si on n'est pas capable d'expliquer comment on fait les choses, donc si Bach lui-même ne serait pas capable de nous expliquer comment il compose sa musique, alors comment est-ce qu'on peut même penser qu'on serait capable de coder nous-mêmes un programme qui ferait la même chose. Puis on peut penser dans pas mal de situations, autres d'ailleurs que la composition musicale, quelque chose d'aussi simple que marcher. J'aime toujours ça de donner cet exemple-là. Donc, marcher, comment on marche? Bien, en fait, on peut toujours dire, bien, l'algorithme pour marcher, c'est je mets un pied devant l'autre et je répète. Mais en réalité, il y a toutes sortes de situations. Donc, s'il y a de la glace, de la neige, des montagnes, des escaliers... Si on boite aussi, il y a toutes sortes de dépendances du type de corps qu'on a, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, marcher. Et en fait, quand on essaie de designer des robots, par exemple, qui marchent par eux-mêmes, on se rend compte assez vite que c'est très, très, très compliqué à coder. Donc, en fait, on ne sait pas comment on marche, on ne sait pas comment on parle, on ne sait pas comment on compose la musique. Mais on sait une chose, c'est qu'il fut un temps où on ne marchait pas, où on ne parlait pas. Et Bach, il fut un temps où il ne composait pas de musique, je pense, en tout cas. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on apprend à faire ces choses-là et on apprend comment à partir d'exemples. Donc, c'est ça, en résumé, là, la distinction entre le machine learning et la programmation traditionnelle. En musique, c'est toujours les musiciens sont toujours un peu à l'avant-plan de tout ce qui se fait en intelligence artificielle parce que bon, la musique est déjà quand même assez mathématique en soi. Et déjà, au début des années, fin des années 80, début 90, alors qu'on avait des réseaux de neurones, il y avait un petit. Les réseaux de neurones avaient été repopularisés un peu au milieu des années 80. Il y a eu des gens qui ont commencé à composer de la musique en disant on va prendre des pièces existantes. Je pense que ça a été fait avec le blues et on va entraîner un système là-dessus. Il va être capable de nous cracher des nouvelles partitions de blues et grosso modo, ça fonctionnait quand même assez bien. Plus récemment, il y a le système, bon, ça commence déjà à être vieux, là, le système Deep Back, pour revenir à mon exemple, qui permettait de générer de la musique, des nouvelles compositions qui sonne comme Bach et qui jusqu'à un certain point, en tout cas, pouvait passer le test de Turing de Bach, c'est-à-dire que même des spécialistes de Bach, apparemment, n'étaient pas toujours capables d'identifier si c'était fait par une machine ou par un humain. Donc, ces approches-là, qui aujourd'hui sont plus performantes qu'il y a 30 ans, utilisent quand même le même principe. Et ça, c'est un peu un des arguments dont je parle dans mon livre, c'est que finalement, pour les artistes, ce n'est pas nécessairement super intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait? On génère du pastiche, on génère quelque chose qui est dans le domaine du expected. Et c'est une de mes œuvres préférées en machine learning, une œuvre historique par Nicolas Baginski, qui, au début des années 90, a créé un band robotique. Donc, au départ, c'était une guitare, mais éventuellement, il a ajouté d'autres instruments qui fonctionnaient avec des réseaux de neurones un peu du même type, finalement, que celles qui étaient utilisées à l'époque. Mais Baginski connaissait un peu les travaux qui étaient faits dans le domaine scientifique, mais il disait ça ne m'intéresse pas du tout parce que ça ne m'apprend rien. Si j'arrive à faire un système qui fait du blues à partir de partitions de blues, je vais juste reproduire quelque chose que je connais déjà. Comment je pourrais m'y prendre pour essayer d'explorer la musique d'une autre manière? Et il a créé donc des
donc des espèces d'instruments robotisés qui essentiellement écoutent leur environnement, dont leur propre réaction, leur propre composition, et d'une manière non supervisée, donc avec des algorithmes d'apprentissage non supervisés, donc qui n'ont pas nécessairement de but défini, réagissaient comme ça et devenaient, se mettaient à composer une espèce de musique extrêmement étrange. Et c'est Baginski a été fasciné par ça, et pendant près de 20 ans, il a en fait travaillé avec ce projet-là. Il est devenu éventuellement l'imprésario, à la fois l'imprésario et le caddie du band, qu'il a trimballé à travers l'Europe. Des fois, il les faisait jouer dans des bars à Berlin, genre. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que les robots apprenaient tout le temps, donc il les faisait aussi répéter entre eux. Et également, dans l'espace d'une nuit, par exemple, il les réinitialisait généralement au début de la nuit et pendant un peu, en tout cas. Et pendant la nuit, donc, c'est comme s'il traversait un peu toutes les époques d'une vie. Donc, au début de la nuit, ils étaient dans l'enfance, on pourrait dire. Donc, ils jouaient de manière un peu plus chaotique, très exploratoire. Mais c'est un peu n'importe quoi. Et plus tard, au milieu de la nuit, là, il se stabilisait. Là, ça devenait vraiment intéressant pour Baginski. On avait vraiment une sensation d'improvisation, où ils se parlaient les uns les autres, mais qui avait quand même une forme structurée jusqu'à atteindre la fin de la soirée où là, ils devenaient extrêmement conservateurs dans leurs choix et finalement faisaient de la musique un peu plus plate. Donc, cette idée-là de progression que j'appelle finalement l'évolution d'un comportement, c'est un concept qui m'a intéressé beaucoup dans des travaux que j'ai faits, dont cette œuvre Vessels, qui, en collaboration avec Stephen Kelly et Samuel Saint-Aubin, qui est un essaim de robots aquatiques qui réagissent à leur environnement et réagissent entre eux en utilisant des principes évolutionnistes d'algorithmes génétiques. Et également, il y a des sons qui sont produits par les robots et qui eux-mêmes sont évolutifs. Donc, les robots, avec le temps, développent une espèce de comportement au niveau de leur mouvement et au niveau sonore également, qui vient un peu représenter, une représentation dynamique de l'environnement dans lequel ils baignent. Également, pour l'œuvre N Polytop, qui est inspiré des polytopes de Xenakis avec Chris Salter, moi-même, Mariah Ballman, Adam Basanta, Elio Bidinos et Thomas Speer, qui a été présenté dans différents formats à travers le monde. Il y a également à l'intérieur de ça une dimension sonore et lumineuse qui est générée par des formes en fait d'agentivité, donc des agents dont certains sont en fait des agents qui réagissent de manière adaptative à leur environnement en employant différents types d'algorithmes, dont des algorithmes de reinforcement learning. Et en fait, c'est donc le cadre, si on veut, esthétique dans lequel tout ça s'inscrit. C'est ce que j'appelle l'esthétique du comportement, en fait, qui a été définie par Simon Penny. Je trouve très intéressant et très approprié pour décrire ce type de système. Donc, Penny dit, ces systèmes-là, comme les systèmes robotiques, c'est plus nécessairement la base, si on veut, le contenu médiatique ou l'expérience médiatique, elle n'est pas du même ordre que d'une image ou une composition de musique. C'est autre chose, c'est une interaction avec des systèmes machiniques qui développent un comportement dans le temps. Donc, un comportement, qu'est-ce que c'est? Gordon Pask en a donné une définition que je trouve intéressante dans les années 60. Il dit que c'est une forme qui ne change pas, une forme d'événement qui ne change pas, reliée à l'activité d'un agent, finalement. Mais la question que je me pose, c'est dans le cas de processus adaptatifs, de machine learning, qu'est-ce qui arrive quand ces formes inchangeantes changent? Donc, on peut penser au robot de Baginski. Elles ont un comportement au début de la soirée qui est différent de celle qu'elles ont au milieu ou à la fin de la soirée. Donc, dans mon livre et en fait dans les travaux précédents, j'ai essayé de donner un cadre un peu pour montrer les différences entre différents types de comportements. Les comportements de premier ordre qui seraient des comportements plutôt générés par des systèmes machiniques programmés
où finalement il y a un algorithme qui génère un comportement, mais à un moment donné, ce comportement devient identifiable. Après une certaine période de temps, on arrive à le percevoir. Donc, on arrive à. Donc, je donne un exemple. Si je regarde, c'est ça, un système qui génère de la musique avec des règles fixes, bien, peut-être après une heure ou deux, je vais un peu comprendre un peu comment ça marche. Ça va être. Je vais voir un peu. Il n'y aura pas d'évolution nécessairement dans ce comportement-là. Alors que il y a d'autres comportements, dont les comportements génératifs, qui vont changer dans le temps. Et les comportements adaptatifs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une forme quand même particulière, c'est-à-dire qu'elles passent au départ à travers une forme, une phase de morphogénèse. Elles partent de rien et avec le temps, elles vont éventuellement se stabiliser vers une forme plus statique. Donc, elles passent d'une forme à l'autre et elles se transforment dans le temps pour se stabiliser. Et j'ai exploré cette idée dans un autre projet où, en fait, j'ai entraîné en 2017 un système d'apprentissage profond sur du texte. Donc, en fait, mon idée, c'était de faire lire un livre un algorithme d'apprentissage et ensuite de voir comment, si on découpait, c'est comme si le système, à mesure qu'il lit le livre, il écrit un livre. Et donc, au début, ce qu'on va voir, c'est éventuellement du garbage, là, comme on dit au début, donc des trucs très, très aléatoires. Éventuellement, il y a une découverte de certains caractères qui se répètent souvent. Donc, les espaces, à un moment donné, on devient fou des espaces parce qu'il y a beaucoup d'espaces dans un livre, mais on découvre éventuellement qu'il y a aussi des voyelles et tranquillement, le système va finir par générer des morceaux de mots, des syllabes, etc., jusqu'à générer un texte plus ou moins cohérent. Et c'est ce texte, en fait, cette évolution de texte qui a donné lieu, je vais juste revenir, donc, à un livre, d'abord, un livre d'art, donc, qui est une série unique de 31 ouvrages, tous différents, générés par l'algorithme, qui ont la même longueur que le texte original sur lequel ils ont été entraînés, qui est le texte « Wuthering Heights » de l'auteur Emily Brontë. Et ce texte, en fait, on a décidé d'en faire également une œuvre sonore, en fait, plusieurs œuvres sonores avec l'artiste sonore Erin G. Parce qu'on s'est rendu compte, on a réalisé que la lecture du texte lui-même avait vraiment... puis en fait, c'était vraiment quelque chose qui était central, qui était super intéressant dans ce contenu-là, c'est que le texte, finalement... le propos du texte devient peu important. Ce qui vient intéressant, c'est la matérialité. Le texte devient comme une espèce de matière. Et ensuite, cette matière-là, dans le cas de Of the Soon et de notre œuvre subséquente qu'on a fait, To the Soon, cette matière-là devient finalement la partition. La partition d'une œuvre sonore où Erin G en fait la lecture avec... une technique vocale qui s'appelle l'ASMR qui, soi-disant, en tout cas pour certaines personnes, va générer des espèces de réactions autonomes dans le corps. Donc, l'idée de notre projet, c'est de jouer sur cette espèce d'hybridation-là entre, d'un côté, des processus machiniques qui sont, qui finalement déroulent le comportement d'un agent qui lit une histoire écrite par un agent humain qui est décédé qui sont ensuite remis, reperformés par une voix humaine, un peu désincarnée, mais qui va avoir générer en même temps des réactions autonomes, automatiques, machiniques dans des corps humains. Donc, c'est cette œuvre que vous avez peut-être eu la chance d'entendre hier. Pour terminer, je vais terminer un peu sur une réflexion sur, dans le fond, les formes de création ou comment tout ça vient impacter les pratiques artistiques. Parce que, puis ça fait un parallèle ici avec ce que disait mon collègue Louis-Claude un peu plus tôt, que finalement, je pense qu'il faut imaginer
c'est la création avec des intelligences artificielles comme une, vraiment comme une relation de où il y a différentes agentivités qui sont et différentes matérialités qui, dont peut-être différents artistes ou différents créateurs et différents algorithmes et différentes matières qui finalement interagissent les unes les autres dans la constitution d'une œuvre. Comment les artistes parlent de ça dans leurs propres mots? Bien, il y a plusieurs métaphores qui sont utilisées. La première, c'est celle de la muse. Donc l'idée que c'est plutôt une espèce de forme de sorte d'inspiration. Je donne, par exemple, comme exemple, le projet Rewrite de David Javid Johnston, où l'artiste a entraîné un système sur du texte de poésie et a utilisé ce système-là pour s'inspirer. Donc, le système écrivait des textes. Lui, le matin, relisait les textes et les rééditait pour générer, il a pu comme ça générer un livre de poésie par mois pendant un an. Un autre concept peut-être relié un peu à la, mais ce n'est pas tout à fait le même type de méta-instrument là, que je pense que ce qui a été évoqué juste précédemment. Cette idée-là vient de Rebecca Fiebring, entre autres, qui a développé un outil qui s'appelle le Wikinator, où elle dit que le machine learning nous permet à des performeurs comme Susan Kite, par exemple, ou Laetitia Sonami, de créer des instruments de manière performative. Donc, on génère des données et ça crée un instrument qu'on peut ensuite utiliser sur scène. Il y a le concept du jardinage, donc l'artiste comme jardinier et l'algorithme comme jardin qui a été développé par William Latham pour la création d'œuvres génératives génétiques. Et également, on pourrait faire un parallèle avec Anna Riddler qui a, pour créer son œuvre Mosaic Virus générée par des algorithmes d'apprentissage profond, a dû carrément aller, pas elle-même jardiner, mais en tout cas aller acheter des tulipes à Amsterdam, faire l'aller-retour jusqu'à Londres, Amsterdam plusieurs fois pour aller acheter plein de tulipes, dépenser plein d'argent pour faire une base de données qui ensuite pouvait être utilisée pour générer de nouvelles images. L'idée de la collaboration, c'en est une qui est assez fréquente. Je donne comme exemple ici Sudwin Chen qui a développé un robot qui est entraîné sur sa propre pratique de dessin, qui collabore avec elle dans des performances de dessin. Et finalement, je termine là-dessus parce que c'est ma métaphore préférée. Elle vient de Memo Acten qui dit que travailler avec ces algorithmes, c'est plutôt comme un, peut-être plus proche de comme dompter un animal, dompter un cheval sauvage. Donc, quand je dompte un cheval sauvage, qu'est-ce qui se passe? J'en ai jamais dompté un, mais je peux imaginer qu'on doit y aller par essai-erreur, devenir un peu. On est toujours dans une espèce de relation de collaboration, mais aussi une espèce de relation antagoniste. Il y a un côté un peu bizarre. On ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on doit développer un langage commun. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la pièce « Co-AI Existence » de Justine Aymar, où elle met en scène un performeur qui interagit avec un robot auto-apprenant. Et les deux, en fait, on voit comment les deux entités dans cette magnifique installation vidéo doivent interagir pour développer une espèce de forme de langage corporel et vocal. Alors, oui. Alors, merci beaucoup, Sophia. Merci. Et donc, on continue avec Alexandre Saint-Onge. Et donc, mutation et machine molle. Oui, merci Simon-Pierre. Donc, je partage l'écran. Donc, oui, merci pour l'invitation. Donc, Alexandre Saint-Onge, artiste interdisciplinaire. Je me suis souvent qualifié dans le passé de performeur sonore, étant à la fois musicien, musique donc expérimentale, musique improvisée, un artiste sonore et aussi un artiste de performance professionnel depuis 20 ans. Maintenant, j'enseigne, comme le dit Simon-Pierre au début du colloque, je suis professeur adjoint à l'École d'art à l'Université Laval. Je m'intéresse particulièrement à la transformation du corps performatif à travers ces diverses médiations, qu'elles soient sonores, bien entendu, mais aussi textuelles, visuelles, électroniques, etc. Et à ce que j'appelle la saisie en acte des contingences émergentes à travers le processus créateur, notamment par une pratique de l'improvisation qui est centrale dans ma pratique, qui génère donc autant, comme je l'ai dit, des œuvres sonores que des performances,
mais aussi des œuvres textuelles, des textes expérimentaux, des œuvres conceptuelles, des installations, des œuvres cinétiques aussi parfois. Aujourd'hui, je vais changer de diapo. Je vais me concentrer sur la pièce Yolayan Agartha que j'ai présentée hier dans le cadre du concert La Grande Écoute, puisque c'est une création spécifiquement pour répondre, en fait, c'est une étude pour répondre en quelque sorte au thème, autant du colloque que du concert, hein, sur la partition et l'idée d'une partition qui est générée, dans mon cas, en temps réel. Ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le fond, me tenir le plus auprès possible de la pièce en retraçant toutes les étapes de création pour que vous compreniez un peu où se situe la partition dans ma pièce. Le texte descriptif. Ah, là, je ne vois pas tout mon écran. Je vais essayer de le déplacer un petit peu pour le voir. Désolé, je vais juste me retirer de... Voilà, là, je vois bien mon écran. Donc, ça, c'est le texte descriptif de la pièce. Donc, Yolayan Agartha est une étude sur les interfaces en tant que zone de contact transformative où l'hallucination est une modalité opératoire afin d'engendrer des entités hybrides humaines-machines. La mutation du corps performatif à travers ces médiations électriques, électroniques, sonores et textuelles génère ici une partition en temps réel qui se déploie de diverses façons pour les quatre mouvements de la pièce. Donc, au premier mouvement, une voix saturée transduit électroniquement et l'oracle textuel pour les paroles chantées au deuxième mouvement qui deviennent la partition pour des actions performatives fétichistes au troisième et quatrième mouvement. Donc, ces rituels performatifs existentiels stimulent diverses machines analogiques et numériques afin de produire des mutations sonores des dites actions à partir desquelles prolifère un langage informatique qui se fait entendre par-dessus le marché du centre de la Terre. Ce marché central étant Agartha, bien entendu, le centre de la Terre, dans certaines traditions occultes. Donc, là, dans le texte descriptif dit en général ce qu'est la pièce, mais là, je vais vraiment décortiquer mouvement par mouvement afin de voir où se situe la partition, ou du moins comment la partition émerge et change d'un mouvement à l'autre. Parce que à la base, je décris aussi la pièce comme, dans le fond, où l'interface humaine-machine est génératrice de partitions en soi. Fait que ça a commencé, dans le fond, étant un improvisateur d'une improvisation. Une improvisation pour voix et ordinateur, donc une interface informatique que j'ai développée il y a quelques années avec Patrice Coulombe, mais que j'ai continué à développer et que j'utilise encore de nos jours. Dans le cadre pour les deux premiers mouvements, en fait, l'interface informatique fait une analyse spectrale, donc du son, dans l'occurrence de ma voix. Elle analyse donc différents paramètres de la voix, c'est-à-dire la tonalité, l'amplitude, la brillance, le bruit de la voix. Et je peux paramétrer ces différents paramètres dans ce cas-ci, à un synthétiseur analogique qui réagit en temps réel. Donc, c'est vraiment une improvisation totale, mais en même temps, cette analyse spectrale permet d'écrire du texte en temps réel. Donc, c'est un texte. Donc, dans le fond, c'est l'interface qui me permet de scanner le dictionnaire en relation au contenu de la voix. Et ça a généré une partition vocale qu'on va entendre au deuxième mouvement. Mais écoutons le premier mouvement, puis je vais revenir. Ça se peut que ça soit un peu fort. Tantôt, on a testé, puis on a dit que c'était fort le volume. Fait que faites attention. Voilà, premier. Ça, c'est juste des extraits. La pièce dure 11 minutes. Hein, mais
puisqu'elle a été diffusée hier assez tard, je me suis dit que ça pouvait être pratique de vous faire quand même entendre des extraits. Donc, ça va être, je vais vous faire écouter 4 extraits de 1 minute, de la pièce qui dure 11 minutes. Donc, cette improvisation-là a généré un texte qui est devenu la partition vocale que je chante au deuxième mouvement et tout. Et mon chant, mes vocalisations aussi structurent les différents éléments sonores qui sont, dans ce cas-ci, des sons de basse électrique, étant bassiste électrique, mais là, c'est ma voix qui joue de la basse électrique et qui chante le texte qui a été généré. Et on va écouter ce que ça donne au deuxième mouvement. Je crache que t'as. Le cacra, le carakiri. Extrait du deuxième mouvement. Là, c'est juste un extrait aussi du texte qui a été généré par l'analyse informatique de la première improvisation qu'on voit ici. Donc, il devient la partition donc, pour le chant. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, je travaille là-dessus depuis quelques années, c'est cette idée d'une indécidabilité à l'oral par rapport à certains signes écrits, c'est-à-dire de voir comment, à l'écrit, il y a certains mots qu'on peut déterminer, comme par exemple en K et K, donc la lettre K ou le K, bien entendu, en tant que signe écrit, peuvent être distingués, alors que leur sens devient indécidable à travers la voix. Et j'ai beaucoup travaillé des espèces de libretto comme ça, de chansons expérimentales, où lorsqu'on ne fait qu'écouter le contenu des paroles, sans voir le texte sous les yeux, on ne peut jamais savoir ce que je dis. Donc, vraiment un système basé sur des homonymies, etc. J'ai fait plusieurs pièces là-dessus. Et je m'intéresse aussi à ça, à cette pièce-là. Mais là, le deuxième mouvement, donc cette partition qui a été générée au premier mouvement, devient la partition pour le troisième mouvement. Je vous explique. C'est-à-dire que ce texte devient en fait des instructions performatives pour des actions que j'ai réalisées au troisième et au quatrième mouvement. Donc, je m'inspire de ces mots et je fais différentes actions performatives qui sont bien entendu invisibles puisqu'il s'agit d'une pièce sonore. Mais ces actions performatives, grâce à un système de capture de mouvement, permettent donc d'organiser, de déclencher, de modifier des sons en temps réel, ainsi que ce texte-là qui est reconfiguré au troisième mouvement. Et je vous explique la suite. On pourrait écouter ce que ça donne au troisième mouvement. Donc là, ce n'est que des actions performatives inspirées de ce texte. Extrait du troisième mouvement. Ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs sur la photo ici, et dans le fond, c'est l'artefact qui est écrit par ces actions performatives. Donc, je performais dans une échelle avec des mouchoirs, avec un vibrateur, divers types de vibrateurs, sexuels ou non. Et la petite entité ici, qui est l'ancienne mascotte
des mouchoirs Scotties. Ici, l'année dernière, dans le fond, j'ai décidé de reprendre les éléments de ma pièce de l'année dernière que j'avais créée pour la Grande Écoute 2020, hein, pour Six mots pour quand je pense à toi, qui a été présentée le 29 février 2020, c'était la création, où j'avais travaillé avec ce protagoniste. Donc, l'ancienne mascotte des mouchoirs Scotties, hein, qui passait à travers un portail, ce portail qui est en fait une sculpture inintentionnelle que j'avais découverte à l'immeuble ici de la CSQ à Québec, sur la rue Saint-Joseph, donc le Centre des syndicats du Québec. Puis puisque, je dis bien ancienne mascotte des mouchoirs Scotties, hein, il passe un portail syndicaliste parce qu'il a perdu sa job. Hein, il a été remplacé récemment par un petit chien, comme peut-être vous le savez. Donc, je voulais l'aider à passer ce portail, mais il m'a aidé aussi à passer différents portails dans cette action-là, encore une fois. Il m'a bien accompagné pour faire diverses actions qui étaient basées sur le texte, donc, assez relativement improvisées, hein, en relation à ça. Et ça, c'est le système de capture que j'utilisais pour interfacer les actions performatives aux matériaux sonores et textuels. C'est-à-dire que c'est un système conçu avec une Kinect comme ça, hein, qui fait donc une modélisation, qui fait du squelette tracking, qui reconnaît donc mon squelette. Vous devez savoir, vous connaissez tous ça, je suis pas mal sûr. Ça achemine donc les données de la modélisation de mon corps sur un premier ordinateur et ça les achemine à un deuxième qui permet donc de modifier les sons, etc., mais aussi le texte. Donc, le texte qui était produit au premier mouvement, qui est la partition du deuxième mouvement, est reconfiguré au troisième mouvement, donc déconstruit, réagencé, retravaillé, et ça devient une nouvelle partition vocale pour le quatrième mouvement, ici, qu'on va écouter. Là, c'est vraiment un texte reconstruit, puis j'ai gardé le côté très machinique, c'est-à-dire comment il l'a déconstruit, comment la machine l'a déconstruit pour m'éloigner de plus en plus du langage naturel, hein, de la langue française. C'est pour ça qu'on entend plutôt des sons dans une tradition plus de poésie sonore, etc. Et ça s'inscrit dans cette recherche-là, dans les travaux que je fais depuis plusieurs années déjà pour la génération d'une textualité qui est produite en temps réel et une forme de langage qui est indissociable du matériau performatif et vice-versa. Afin de parler de mon travail de plus en plus, de manière de moins en moins discursive, je dirais, et de plus en plus plastique, puisque je trouve que le langage poétique témoigne davantage de mon approche que si j'adoptais une approche discursive. Pour aller de plus en plus vers aussi, de me rapprocher de la machine, donc une oscillation entre un langage, là, on va se rapprocher aussi de ce que Sofiane parlait, parce que j'utilise aussi les principes d'intelligence artificielle de production de texte. J'ai d'ailleurs travaillé avec David Johnston lors de cet événement qui avait eu lieu à la Bina Ellen. Ah, là, je vois, il y a peut-être une question. Il reste 5 minutes. Merci, Gabriel. Ça va être correct, j'ai presque terminé. Donc, c'est ça, j'avais travaillé avec David Johnson dans ce projet-là, avec d'autres artistes notamment, mais là, je parle seulement de lui, à la Bina Ellen, la galerie Léonard et Bina Ellen à Montréal, où pendant un mois, j'habitais le mur central de la galerie et j'improvisais, et ma présence performative se déclinait de différentes manières dans les différents espaces de cette immense galerie.
Donc, en texte notamment, en œuvre cinétique, en vidéo, etc., en son. Donc, on ne voyait jamais mon corps était invisible, mais il se déclinait de différentes manières dans les différentes pièces. Et dans une des pièces, la pièce qui était dédiée à la textualité, a généré donc une masse critique de texte à partir de laquelle j'ai retravaillé, ça c'est une page de mon dernier livre qui a été publié chez Édition Squint Press l'été dernier. Et dans le fond, là on voit, c'est une page, donc là on est vraiment loin du langage naturel, j'essaie de respecter le plus possible ce que la machine me donnait, mais je l'ai lu à haute voix, puis j'essaie de me mettre dans une espèce d'état de transe pour en fait halluciner des paroles magiques à travers ce que la machine me donnait. Des fois aussi, je travaille, je vais vous montrer une autre page du livre, qui là, c'est le contraire, c'est-à-dire je pars de signes que la machine génère pour halluciner des poèmes en langue en français. Donc, ça donne des choses comme ça. Donc, l'état des ongles travestis, c'est la mine du monde qui parle à plaie, en soi enseveli, l'objet zéro en cellophane, sale senti sous l'asphalte surtout, l'auréolole suture les cils disquettes doigts, ni sans même pour l'exterminateur l'idée. C'est ça, mes cœurs lentement, jusque dans les lignes sous le rouleau hanté, puant dans les ulcères en octet, la pisse que tu proposes. Donc, la pisse que tu proposes, le TU étant ici un logiciel Python, par une interface en fait qui a été réalisée avec Python avec mon ami James Shidlowski, où dans le fond, ça utilise ce que parlait Sofiane, les réseaux de neurones artificiels, hein, similaires à comment David Johnston travaille aussi, où dans le fond, on a entraîné l'interface à créer des poèmes à la J'ai du bas dit à Alloguet avec l'invisible qui est mon livre. Donc, il crée des poèmes à la moi, mais bien entendu, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans, dépendamment de la température de l'interface pour celles et ceux qui sont familiers. Plus la température est élevée, plus la machine ou plus l'interface gagne en créativité. Là, c'est 0.8, donc on voit qu'elle a il n'y a pas beaucoup de langage, il n'y a pas beaucoup de français là, il y a certains mots comme ça. Et moi, je retravaillais, ça c'est un exemple de quelque chose, je partais de ça pour créer de la poésie en français, mais en essayant d'improviser, mais d'une manière très souple avec ce que la machine proposait. Regardez, on met la température, on baisse la température, là, on se rend très proche, plus proche du livre, donc le plancher de la motte, le plancher. Donc, à 0.1, il parle presque toujours de la motte sur le plancher. La motte sur le plancher étant l'acteur principal, ou je dirais un des personnages principaux de mon livre, étant un personnage récurrent et un motif, la motte sur le plancher. Et quand on monte la température, là, on voit toutes sortes de choses lorsqu'elle gagne en créativité. Mais cette idée, comme disait Sofiane juste avant moi, il y a plusieurs, on dirait que c'est comme presque du déchet et tout ça. Moi, je m'intéresse en fait à ces résidus, à cet aspect très chaotique. Et je travaille, le prochain livre que j'écris, j'essaie en fait, par un procédé similaire d'hallucination, mais j'essaie de reconnaître les patterns et de faire des poèmes dans cette langue-là pour ramener à la machine. Donc, si la machine, des fois, est entraînée, j'essaie de m'entraîner à écrire des poèmes comme ça, en fait, de plus en plus. Je vais m'arrêter ici. Et ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Maintenant, on reçoit donc Sandeep Bhagwati, la partition technologique au-delà de la notation. Donc, Sandeep a accepté de visiter le territoire, gardons le même vocabulaire, visiter le territoire de mots que je lui ai fourni, qui est en fait un verbatim des principales réponses des compositeurs à la question sur la partition. Donc, Sandeep est parti de ça et va nous présenter sa réflexion par rapport à ça. Et je vais peut-être intervenir vers 16h40, Sandy, donc 4h40, pour qu'on bascule dans la partie discussion qui sera alentour de cette idée de partition dispositif. Et Sandy a bien voulu accepter d'être modérateur, donc nous modérer parce qu'on est tellement extrémiste dans nos expressions. Donc à toi, Sandy.
Bonsoir, bonjour, bonsoir pour moi, il fait 11h, je crois, presque, non, 10h30, à Zurich où je suis. Salutations à Montréal. Et je vais essayer de, je ne vais pas exactement faire ce que Simon-Pierre m'a annoncé parce que j'avais déjà un petit discours sur un aspect de la partition, de la notation. Que je voulais faire. Mais après, dans la discussion, je crois qu'on peut reprendre certaines idées qui sont là, dans ce texte que vous avez fourni. Voilà, je vais juste partager mon écran. OK. Écrire le son dans le vent. Depuis un certain temps, je dirige un réseau qui s'appelle Tenor pour les technologies de notation de musique et de représentation avec plusieurs nodes dans le monde. Et dans ce réseau, on a vraiment de gens qui travaillent avec des notations, de notions différentes de notation et surtout de notation technologique. Je voudrais juste faire un petit discours sur certains aspects dont on a discuté dans le réseau et qui se trouvent aussi dans le texte que vous avez fourni pour le petit discours sur les notations que vous avez fourni pour ce festival. Une chose qui est très importante, qui est devenue très importante, c'est la notion de l'abstraction du son du corps, c'est-à-dire vraiment en abstrait du corps dans la musique, et ça commence, c'est-à-dire le média sonore commence avec les instruments, puis avec l'entraînement du corps, c'est-à-dire de faire le corps aussi un instrument, c'est une abstraction du corps. Après, on trouve la notation, il y a toujours de milliers des années entre ce petit cercle-là, après quelques centaines d'années, non, plus de centaines d'années, jusqu'à la phonographie et après. Et en même temps qu'on a fait cette abstraction du corps, on a aussi toujours élargi le champ de ce qu'on appelle la musique. D'abord, c'était juste la joie de pouvoir répéter un son dans un instrument. Avec le corps musicalisé, on est allé au-delà des limites du corps, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose où le corps est contrôlé. On a symbolisé le son. Et avec la phonographie, on a enfin un son qui ne vient pas d'une action humaine, c'est-à-dire on a toujours eu des sons qui ne sont pas humains, mais le son phonographique est post-humain, c'est-à-dire c'est vraiment fait par des hommes, mais ça ne nécessite plus des hommes. Et voilà, maintenant on discute la technologie de partition, on se demande toujours, est-ce que toutes les technologies de partition vont-elles générer une nouvelle ontologie de la musique aussi, comme les autres ontologies de la musique qui était la conséquence de nouvelles définitions du sonore ou du musical. Juste pour montrer un petit aspect dont on discute souvent, la perspective d'une notation, c'est-à-dire chaque notation fait une sorte d'ordre dans le sonore. Les choses qu'on veut regarder, les choses qu'on ne peut pas regarder avec en grande difficulté, sont tous impliqués dans la notation, naturellement, on sait ça, c'est toujours la dynamique d'un instrument, d'un outil qu'il tranche ou divide le monde entre des choses traitables ou non traitables. Alors ça, c'est un peu la même chose avec la notation. On a différents systèmes de notation dans différentes cultures. Le tabla bol, par exemple, sont des notations orales, qui sont jeunes parlées, qui n'ont pas d'écriture.
alors que les autres sont des écritures, mais de nature très différente, et il tranche le domaine sonore avec notation même, avec le médium de la notation, il divise le domaine du sonore et du musical. On a quatre différentes moyens de noter quelque chose, et ce sont deux moyens iconiques, le numique, qui dessine une sorte de suivi, mais très, très étroit, lié à un autre phénomène, et le graphique, qui est une partition iconique très libre. On a des partitions symboliques, où on a vraiment une sorte de symbolisation du son, comme on peut voir ici, dans la notation standard de la musique. Et naturellement, on a aussi la notation verbale qui peut indiquer le symbole, et le verbal peuvent indiquer l'action qui est nécessaire pour faire le son, alors que l'iconique décrit ou prescrit le son qui va suivre ou qui est arrivé. Et naturellement, comme le croisement des lignes peut montrer, on a toutes sortes de mixtures entre ces différentes techniques de notation. J'ai introduit il y a 20 ans la notion de la composition, qui pour moi est une création qui est fondée sur l'imprécation esthétiquement pertinente d'éléments de performance indépendants du contexte et des éléments de performance contingents. C'est-à-dire une partition, score, et toute extension ou dispositif ou convention ou tradition qui stabilise un certain nombre d'aspects d'une représentation, une réalisation, une représentation à l'autre. C'est-à-dire, ça peut être tout, ça peut être vraiment la convention de monter sur une scène, le dispositif dont Louis-Claude a parlé, une instruction qui ressort, qui reste toujours la même, comme dans l'œuvre de Rodrigo Segal, où l'instruction peut devenir, qui reste la même, mais le contexte change pour l'instruction, alors ça devient d'autres choses. Et contingent, c'est vraiment la performance, c'est toute action par des agents, c'est-à-dire ça peut être des agents humains ou non humains dans un contexte performatif qui n'est pas couvert par la partition. Et c'est important, c'est-à-dire il y a toujours dans chaque musique, il y a un élément de réalisation qui n'est pas couvert par la partition. Et la composition veut faire en sorte qu'on peut parler de cette différence, de cette division du domaine de notation. Par exemple, une notation, une partition humaine, c'est souvent un ensemble. J'ai fondé un ensemble à Berlin où chaque musicien devient d'une tradition musicale différente, du techno à la musique chinoise, free jazz, chant bulgarien et tout ça. Ces musiciens-là sont la partition de l'ensemble parce qu'on n'a pas de partition. La plupart des gens ne peuvent pas lire des musiques notées dans l'écriture occidentale. Ils ne travaillent jamais avec des partitions eux-mêmes dans leur pratique. Alors, la partition, c'est eux comme ensemble. On a 7 ans d'existence déjà. Et les pièces qui arrivent sont déterminées par ces personnes-là nommées. Si on échange une personne, on change la partition. Et ça devient une nouvelle œuvre, d'une certaine manière. Tout ça parle de partition assez stable. Et c'est souvent le sens qu'on a donné à une partition, que c'est une chose qui est assez stable par rapport à la performance qui n'est pas stable, et c'était aussi dans ma définition il y a quelques secondes. Mais en fait, si on regarde avec cette perspective les partitions technologiques, une chose devient très claire, que les partitions technologiques sont instables. C'est-à-dire, si on
n'utilise plus l'encre et papier, ou c'est-à-dire cette merveilleuse technologie de l'encre enfoncée dans le papier, si on n'utilise pas ça et d'autres moyens de fixation des idées, on arrive à une partition qui peut changer dans le moment de performance. C'est ce que j'appelle les partitions situatives. Ce sont des partitions qui fournissent aux musiciens des informations sensibles au temps et au moment où les informations deviennent pertinentes. C'est-à-dire, il n'y a pas une structure d'informations linéaire et préexistante qu'on peut raconter, mais les contenus de cette partition, de situation, ne sont disponibles que de manière éphémère, c'est-à-dire lorsqu'elles sont affichées ou accessibles dans un contexte particulier. On a discuté un peu, cerné environ 5 partitions situatives. Je ne peux pas toutes définir, mais les partitions qui consistent de règles, les partitions réactives, c'est-à-dire les règles qui sont activées au moment où on a besoin de cette règle, pas avant, c'est-à-dire plutôt une grammaire qu'une sorte de disposition logique. Après, une réactive, de partitions réactives qui réagissent, mais sans moyen d'interaction par le public ou le musicien. Il y a de partitions interactives qui réagissent sur des paramètres, des algorithmes et tout ça, mais qui sont sensibles à l'intervention de musiciens. Des partitions locatives qui dépendent vraiment pour leur existence, pour l'information sur le lieu où ils sont implantés. Et les partitions ergodiques qui vraiment traversent un espace virtuel de possibilités et un logiciel qui mène le musicien à épuiser l'espace de possibilités avant de passer à une autre chose. Toutes ces partitions situatives ont changé un peu les moyens. Il y a une phrase très, très bien qui dit que maintenant, on n'a plus de musiciens, on a des extreme sight readers, c'est-à-dire on n'a ni des improvisateurs, ni des interprètes. On a des gens qui vraiment sont dans le moment et qui réagissent dans le moment exact et qui peuvent réagir à des dispositifs qui changent tout le temps. Pour ça, le visuel n'est pas le meilleur moyen, parce que si on a un dispositif visuel pour un musicien ou pour un performateur, ils doivent toujours regarder un écran ou quelque chose d'autre qui soit visuel. Alors, très vite, on a pensé de partitions au-delà du visuel. Et pour moi, c'est l'étape la plus importante de technologie de partition. On dépasse les sens visuels. On a choisi le visuel parce qu'au début, nos yeux sont vraiment très vite en traitant pour le traitement de l'information, ils sont très souples. Mais on a, avec d'autres partitions qui sont le sens, le toucher, la conscience du corps, l'ouïe, qui ne marchent pas à la vitesse de vision, on a aussi des possibilités d'être plus immersif dans la partition même. On est vraiment pas dans la situation qu'un lecteur d'une partition visuelle qui peut connaître le futur d'une certaine manière pour ces quelques secondes. Dans des partitions immersives non visuelles, on est vraiment immersé toujours dans le stream. Là, il y a un exemple d'une partition non visuelle, The Bodysuit Score Project, qui était conduit à MatraLab, où le musicien reçoit des impulsions, des vibrations sur son corps, et il y a un certain apprentissage pour décoder, pour mapper, pour cartographier
toutes ces vibrations, c'est la tâche de compositeur, si vous voulez dire, de cartographier les informations, et on peut après utiliser chaque sorte d'interaction avec le musicien dans cette pièce. À gauche, qu'on peut voir le celliste et le tromboniste, en fait, la partition vient du public qui ont sur leur téléphone portable, qui ont une petite interface avec laquelle ils peuvent diriger les deux musiciens, pas seulement sonorement, mais vraiment dans la structure de la musique. Une autre partition visuelle que j'aime beaucoup, qui aussi est immersive, c'est la partition auditive. Il y a un grand article là-dessus. Et ça montre que l'univers de notation, si on départ du visuel, devient très, très vaste. J'ai essayé de faire une petite mind map de ce domaine où, à la gauche, on voit le mode d'interaction, le mode sensuel, le corps, c'est-à-dire quelle partie du corps engage avec une notation. Et à droite, on voit les différents types. C'est non exhaustif, il y a beaucoup plus de types de notation. Mais on voit un peu de la diversité, de possibilités, comment on peut créer une sorte de classification de notation qu'on utilise déjà. Il y a certainement beaucoup plus à découvrir dans cet domaine. Et c'est vraiment intéressant que si souvent de gens, si on leur demande de parler d'une partition, ils parlent en fait un peu de cette branche-là, ça et ça. Pour eux, c'est ce qu'une partition, alors il y a tout cet autre domaine qui n'est pas vraiment exploré d'une manière méthodique. Avec des partitions qui sont en temps réel, on entre dans le non-humain dans la musique, c'est-à-dire, comme dans la présentation de Sofiane et de Alex, on voit qu'il y a une agency, un agencement non-humaine. Comme j'ai décrit la phonographie comme technologie sonore post-humaine, une partition flexible, fluide, devient vraiment une sorte d'action sur le son même qui est post-humaine. C'est-à-dire qu'il y a toujours une action qui ne vient pas d'une action humaine, d'une volonté humaine. Et la chose qui devient très intéressante dans ça est dans un produit sonore comme cette qui croit toujours en le faisant, le son devient en fait une sorte de papier éphémère et la musique est écrite sur le son. C'est une chose, une conception qui renverse un peu la relation entre la partition et le son. Le son devient un papier et la musique est écrite dans le son sans aucun détour ni filtrage par la conceptualisation humaine et en absence de symboles sonores, parce qu'on n'a plus de symboles sonores dans ce contexte, comment peut-on discuter la beauté d'une musique, est-ce qu'il y a une sorte d'esthétique de cette musique et qu'elle devrait chercher la théorie musicale pour analyser une telle musique et l'auditeur pour aimer une telle musique. C'est-à-dire que c'est une question qui souvent, dans toute musique d'intelligence artificielle, mais surtout parce qu'ici, on a toujours une action dans le domaine, pas seulement le domaine du phénomène, mais le domaine de la conceptualisation d'une partition. Alors, quand la musique devient une caractéristique de l'environnement non humain dans lequel nous vivons, un jungle impénétrable,
Les partitions deviennent de guides pour nous qui dirigent nos oreilles, mais ils ne sont pas une symbolisation concrète. Les auditeurs lisent les intentions artistiques à partir de pages qui sont inventées au moment. Et pour ça, ça devient une sorte d'un acte d'inscrire le son dans la réalité. Et ces nouveaux types de réalités sonores qui évoluent de façon autonome changent la dynamique de la musique, je crois, de l'anthologie de la musique. Les notations deviennent des moyens de comprendre les relations, les structures, les motifs inhérents qu'ils ont dans la musique qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on a une partition qui n'est ni descriptive, ni prescriptive, ni, ni prescriptive, ni descriptive, mais qui, en fait, est comme une Google Maps pour la réalité sonore qu'on rencontre, qui peut faire des connexions qu'on ne peut pas faire si on voit la lecture. C'est-à-dire, la lecture d'une partition s'apparente à la lecture d'une carte qui nous aide à choisir notre chemin dans un labyrinthe. Et ça m'intéresse, c'est-à-dire la partition totalement libérée de la conception de la conceptualisation. Et on devient, avec le moyen de partition flexible, on devient peut-être quelqu'un qui peut effectivement écrire une musique dans le vent. Ça, c'était un peu très vitement ma présentation. Je voulais finir un peu plus tôt, mais c'est déjà trop tard. Simon-Pierre. Oui, merci beaucoup, Sandeep. Je suis content que tu n'aies pas fait ce qu'on avait convenu exactement. Tu nous as apporté beaucoup de richesse dans tes propos. Et donc, j'ouvre la discussion officiellement, librement. So we can talk in French, English, maybe a little bit Spanish. Oui, parce que nous avons deux collègues hispanophones. Donc, moi, je te poserai, si tu me permets, Sandy, si vous me permettez, j'irai avec une question. Cette notion de partition, que moi, il y a certaines parties que j'associe au dispositif dont je parlais tout à l'heure. Donc, si je prends, par exemple, l'ensemble Extract, si j'ai bien compris. Donc, tu as un certain groupe de musiciens. Bien sûr, c'est de l'improvisation, mais j'imagine, te connaissant, que tu fournis le cadre et les règles un petit peu, si je peux appeler ça comme ça. Donc pour moi, la partition, j'aurais tendance à la voir là et j'aurais tendance à voir l'ensemble comme le dispositif. Dispositif qui, lui, va générer et diffuser la musique à partir du cadre donné par les règles que j'appelle partition. Donc je me disais aussi comme exemple, c'est un peu une question aussi dans mon exemple. Donc si par exemple, tu avais tout à fait un nouveau musicien qui apporterait une façon d'improviser totalement différente. À ce moment-là, pour toi, ton dispositif de création, un peu par analogie comme pour nous, si on travaille en musique immersive, si notre dispositif de haut-parleur ou notre système génératif informatique modifie. Donc, à ce moment-là, en amont, on va modifier un peu les règles en disant « Ah! » J'ai ce nouveau dispositif humain qu'on appelle traditionnellement musicien, improvisateur. Ah, je pourrais lui faire des choses, je pourrais changer. Donc, voilà. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça, la notion de partition, dispositif, à toi, Sandeep? Oui, on pourrait travailler comme ça, mais ce n'est pas la manière dans laquelle on travaille. OK. Si on a les musiciens qui sont là, c'est-à-dire que ces dispositifs changent tout le temps, c'est parce que normalement, pas tous les musiciens sont libres pour travailler avec l'ensemble. Et ça veut dire que chaque concert, chaque projet devient une négociation avec les musiciens qui sont présents
Et on n'a jamais réutilisé quoi que ce soit dans la partition. C'est-à-dire, normalement, la partition, si on veut, est un résultat d'une interaction sur le bâton de répétition. Et à la fin, peut-être, je fais quelques notations, je fais des notes privées pour mémoriser un peu ce qu'on a fait pour la journée suivante. Et comme ça, la partition évolue au fur et à mesure dans la répétition. Il n'y a vraiment pas de point de départ précis parce qu'on commence avec quelque chose qui est le personnage qui sont là et on développe. À partir de ce personnage-là, on développe quelque chose qui pourrait marcher pour eux. Et on ne peut jamais réjouer ça. C'est-à-dire que chaque concert est absolument unique, mais ce n'est pas une improvisation non plus parce que c'est une sorte d'échange, de négociation entre les 3, 4, 5, 6, 7 musiciens qui sont là. Et il y a un dispositif, des fois, on a un dispositif technique, ou on a un dispositif de salle, ou un dispositif parce qu'un festival veut quelque chose dans une certaine salle, dans un certain endroit, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de partition musicale qui génère du son. C'est seulement le musicien qui génère la sonorité. Si un musicien change, on doit réinventer la pièce. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée derrière le travail. Il y a une idée qui est imbriquée dans le travail même. Et si, je me permets une toute dernière question, on élargissait cette idée à la notion d'agencement de dispositif abordé par Louis-Claude au tout début, puis que j'ai repris un petit peu là, est-ce que la partition se fait partie justement d'un dispositif dans tes agencements de... c'est un des dispositifs parmi l'agencement d'action, de relation, d'étapes conceptuelles que... quelle place ça occupe dans ton système d'agencement, si je peux me permettre cette question? J'ai un petit problème avec le dispositif. Tu as parlé d'une machine à explorer à un certain moment donné. Et la notion d'exploration, naturellement, me rappelle toujours un peu le colonialisme avec le bateau blindé qui sont allés explorer, trouver des choses ailleurs. Pour les intégrer et approprier. Je crois que le dispositif, naturellement, par sa nature, ne fait pas ça, mais si on le regarde comme une machine à explorer, il devient quelque chose comme ça. Il devient une sorte de machine d'appropriation sans demander qui est approprié et pourquoi. Alors qu'une partition de technologie, comme je le décris un peu, devient vraiment une sorte de guide sur ce qui est là, sur des choses qui sont présentes et qui ne sont pas... il n'y a pas une volonté d'occuper le terrain, c'est juste une sorte de... C'est comme un peu comme le Google Maps, c'est-à-dire on trouve quelque chose, une structure, dans un monde qui n'est pas occupé, qu'on passe à travers, mais on a besoin d'une petite structure pour comprendre ce qui passe. C'est la conception là. Merci Sandy. Et maintenant, c'est moi qui dois modérer la discussion. Nous allons nous auto-modérer comme autant de dispositifs. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Il faut suivre la partition jusqu'à 17 ans. Louis-Claude, avais-tu envie d'intervenir là-dessus? Oui, peut-être. effectivement, mais pour répondre à la critique de Sandy, dans mon esprit, le dispositif est simplement une construction de l'esprit pour être capable d'envisager l'ensemble, donc de l'écologie, au moment où ça se produit. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu proposes, c'est plus l'idée du becoming. Donc, c'est toujours un devenir. Mais un devenir, on ne peut pas... Donc, la partition est toujours de quelque chose, une musique qui a déjà été faite et qu'on répète, un peu comme le récit. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un récit du devenir? Donc, un récit
qui se fait au fur et à mesure. Et là, c'est toute l'idée de la générativité. Et puis à ce moment-là, ben, effectivement, soit qu'on répète, comme on a vu avec l'intelligence artificielle de modélisation, ou soit qu'on s'aventure. Donc, à ce moment-là, on est vraiment dans le becoming. Moi, j'ai travaillé cette notion-là pour l'écriture, et c'est très complexe parce que écrire implique réécrire. Mais réécrire, on n'est plus dans le becoming, on n'est plus dans le devenir de l'écriture, on est dans un retour sur lui-même. Donc, si on veut être cohérent avec le devenir de l'écriture, on ne doit pas jamais se relire. Donc, ou si on se relit, on fait une autre strate qui est dans un autre présent. Et puis, toute la conception, c'est de dire, est-ce qu'on doit toujours effacer et ne pas garder simplement les strates? Donc, j'imagine une pièce musicale qui est jouée des centaines de fois où on garde chacune des strates de ces trucs-là parce qu'on ne peut pas la réécrire parce qu'on la fixerait. Donc, c'est tout l'inconfort du devenir, en fait, que je vois dans votre initiative, de dire on veut garder ça complètement quelque chose ouvert à ce qui advient, au moment où ça advient, parce que finalement, le devenir n'est pas un futur, c'est un présent, mais très, 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 très présent, et non pas avec un poids d'analyse, et non pas un regard prescriptif. Donc, vous vous situez sur cette limite, et je trouve ça très, très, très intéressant. C'est une recherche qui me fascine, pour moi, au niveau de l'écriture, et vous, au niveau de la musique. J'imagine, Alexandre, je te vois opiner, toi qui travailles en écriture et tout ça. Donc, nous, on s'est connus déjà dans un autre monde, mais cette idée d'écriture était toujours en train de reprendre des choses pour les réinjecter, mais jamais les reproduire. Donc, avec les mêmes inconforts et puis les mêmes, moi je dirais, le fil de mince sur lequel on marche, voilà. Oui, bien, en effet, bien, peut-être que je peux rebondir sur ce que tu dis, Louis-Claude, mais en effet, c'est les processus d'écriture que je fais, il y a beaucoup de boucles, il y a de la récursivité des itérations, des changements, mais il y a toujours des processus justement de déterritorialisation qui se passent, qui bougent, puis c'est ça qui m'intéresse. Sans effacer, c'est sûr qu'une fois que tu publies le livre, il est écrit, etc., mais moi, j'aime ça toujours repartir, réécrire, puis ça avance constamment comme ça, puis un peu comme je travaille comme musicien ou en performeur, en improvisation, mon rapport à l'écriture, et je dirais, elle a été beaucoup influencée par ma pratique d'improvisateur aussi. Fait que ce rapport au devenir, puis elle a saisi en acte du geste même de l'écriture. Fait que quand j'écris, c'est presque de l'écriture performative. Fait que ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Ouais. J'ai été très touché par le livre de Sofian, où la machine apprend à formuler. Parce que pour moi, c'est un peu un parallèle à mon ensemble, en fait, où on commence avec rien. On commence avec des notes, des sons qui sortent d'un instrument, qui sont déjà préformés, comme les lettres sont déjà préformées par une culture, mais à partir de ça, il n'y a presque rien. Et au fur et à mesure, on reconnaît des structures, on développe une sorte de cognizance, mais c'est jamais quelque chose totalement stable. Je trouve ça très bien, le mot de becoming. C'est vraiment un mot qui m'est très proche. Voilà, j'étais très touché par le livre. Est-ce qu'il est encore disponible quelque part? Oui, il reste des copies qui peuvent être acquises. Très bien. Ben c'est, ouais, c'est ça. Ben une des choses qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est que j'ai beaucoup travaillé par le passé avec des structures très, très dynamiques. Puis, à un moment donné, je me suis tanné de faire des robots. C'est toujours un peu... C'est assez compliqué. Je crois que je voulais retourner vers des choses un peu plus simples. Mais finalement, ça a été en fait un autre processus tout aussi complexe d'imprimer ces livres-là. J'ai travaillé avec Nick Montfort, c'est lui finalement qui... Je l'ai convaincu d'être mon éditeur, c'est lui qui s'est tapé le travail d'avoir à tout... parce qu'on a quand même dû éditer les 31 versions uniques. Mais c'est ça, je suis intéressé de voir comment ces processus-là de devenir peuvent se traduire à travers différentes formes, puis comment les...
une des choses qui, en tout cas, qui m'intéresse avec le machine learning, entre autres, c'est que de plus en plus, c'est que c'est vraiment, c'est des algorithmes, c'est très différent de la programmation traditionnelle. Et une chose que ça permet, c'est que, en fait, ça permet de travailler avec différents matériaux, comme le texte, mais d'une manière un peu commune, puis d'utiliser justement le texte, le son, l'image comme matière première. Donc, donc on peut utiliser les données, ce qu'on appelle les données, mais comme une matière première. Dans le livre, le texte, en fait, même à la fin du livre, j'ai pas utilisé le GPT-3 et tout ça, j'ai pas utilisé des formes très, très, très avancées, mais un peu finalement, on le voyait d'ailleurs très bien dans le travail d'Alexandre. Je connaissais pas ce travail-là que tu avais fait, c'est super, super intéressant. Mais c'est que finalement, le texte ou le son devient, ça nous amène vers d'autres matérialités vraiment des formes qu'on n'avait pas exploré par le passé, puis c'est qui nous ramène aussi à, je pense, des choses qui font partie de c'est ça, qui nous parlent en tout cas comme être humain, là. Comme un caractère, justement, peut-être un retour quand on a peut-être besoin en ce moment au mystique, au cri primal, à une espèce de... Tu sais, je pense qu'il y a un parallèle aussi. On est nous-mêmes en ce moment dans une époque où est-ce qu'on ne sait plus trop peut-être où est-ce qu'on s'en va. Puis on reconnaît peut-être ces mouvements-là, c'est dans les comportements de ces formes non humaines là, d'intelligence. Mm-hmm. I have a question for Rodrigo. You talked about your piece Synapse, I think that was the name of the piece. And in this description, you said that there is a stream of music and you send instructions to the musicians, audio instructions, I suppose. Yep. And these instructions are kind of predetermined. You just choose the moment when you send them, but there's always the same instructions that the musician knows. But the context in which they appear to the musician is different. And so can you describe a little what these instructions would be? Thanks, Sandeep. I'm not sure if I got the previous conversation correctly, but this idea of the performer or the ensemble as the machine to perform the piece and the score, and I understand the score including for this piece more as a set of agreements or rules that we both agree upon. So in this piece, what happens is that from the computer, I have a different list and options of instructions. The instructions are not only like voices asking the performer to do something in particular, but also sounds and pitches and rhythms that he gets through the earphone or the headphone, and he has to act upon that. So for example, I send a pitch and he has to sing the same pitch or a chord or stuff like that. So those instructions they come from a bank that we both agree. Many times it's himself performing and it's recorded. So the tape is fixed, and what changes is the real-time interaction that the performer does. He is the machine that is doing the real-time processing. That's more or less the concept. Thank you. How do you decide which instruction to send when? Is this an artistic decision or is this a random decision? No, I think it's an artistic, because I to be honest, it's something that I have been developing through performances. So it's something that I've been learning. So I tend to go to the same places, that's true. And now I tend to avoid going to those places, so trying to just find a way of being myself a performer that does different things that end up generating somehow the same piece. So that's one of the things. But it's a completely like real-time decision that I do. But there are sections, so not any sound or any instruction can go anywhere. There are like limits to that as well.
With my ensemble, I'm sorry, I'm just responding to this, but with my ensemble, I'm just developing exactly the opposite. The ensemble is recorded each time it plays, and it always has the same instructions in the ear. So the instruction score never changes, but each time the recording becomes the new audio background of the next concert. So they always react to this background, but now the instructions come with different sounds, and every time they play, they sort of react in the same way. It's like a obsessive compulsive disorder. They do the same things, but on the other background that they already produced. So it's kind of the piece that Louis-Claude Paquin also described. You rewrite your own things all the time in a very obsessive way. So that's why I was interested in, because it's exactly the opposite of what you were describing. Yeah, of course. In this case, the tape is always the same, it's fixed. Yeah, yeah. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres thématiques que vous vouliez aborder? On est à peu près dans nos temps. On avait pris un petit 5 minutes. On s'est permis de rajouter quelques minutes. Donc, sinon, thank you very much, Rodrigo, everybody. Muchísimas gracias. Et merci beaucoup à tout le monde. Je pense que ça termine vraiment... vraiment bien, ça donne une belle perspective sur l'idée de frontières, d'exploration, particulièrement au niveau de la partition. Merci beaucoup, Sandy, pour ce dernier coup d'envoi de la journée. Et donc, merci beaucoup. Tout ça va être disponible d'ici demain en format lecture. Donc, ceux qui le voudront pourront faire, comme Samedi le mentionnait, refaites votre présentation par-dessus ce que vous entendez ou ce que vous avez réfléchi durant la nuit. on enregistre ça. On fera ça au prochain festival M&M. Donc, voilà. Et donc, tout l'ensemble, c'est-à-dire concert, les deux colloques seront disponibles pour diffusion. Et j'aimerais tout de suite vous mentionner aussi que le concert va être rejoué à Montréal à la Nuit Blanche, exactement, parce que normalement, la Nuit Blanche aurait été en même temps que le festival M&M. Donc là, est-ce qu'ils vont nous demander de rediffuser les colloques? C'est à voir, mais on va se tenir au courant. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci. 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 Okay, merci tout le monde. Salut. Merci. Salut.